Bonjour à tous, je suis toujours de Hogwarts Legacy. Je pense que le jeu... Ouais, non, c'est bon, ça fonctionne. Par contre, je ne sais pas si... Le son du jeu s'entend. J'ai pas la pression. Je check juste ça. On va augmenter juste un petit peu le son du jeu du coup. Biddle le Bard est un peu trop insensible à mon goût. Si quelqu'un savait comment repousser les Moldus, c'était bien Hengist de Woodcroft. Alors, où est-ce qu'on en était? Qu'est-ce qu'on voulait faire? Je ne m'en souviens plus du tout. On était presque au niveau 31. Tout à l'heure, nous avons 2 points, mais je ne sais pas encore quoi en faire. Alors. Qu'est-ce qu'on devait faire? Touffe, touffe, flamme, niveau 19, 25, 30 et 20. On va faire la quête principale à mon avis. Je check juste s'il n'y a pas de quête secondaire à aller chercher. Il n'y a pas trop l'heure. Ici c'est quoi? Ça c'est une des quêtes qu'on a. Ça aussi, tout le reste est bon. Ok. Donc on peut... On peut faire la quête principale. Je suis en train de m'étouffer. Voyager était incroyablement pénible avant que... Ok, c'est bon. Alors. Ouais, c'est un peu compliqué de boire de l'eau. Oh là là, j'ai des larmes aux yeux. Si quelqu'un sait m'apprendre à boire de l'eau, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir. D'ailleurs, ça va la journée au travail? Il a l'air d'avoir du monde. Elle Céleste va bien? Nati m'a raconté ce que vous avez fait. Ah, il me semble. Elle Céleste va bien. Je garde un œil sur elle. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers, et sur mon implication. Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sanglier et... Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux Trois Balais après l'attaque du troll? En quelque sorte. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour elle, Céleste. Est-ce que le nom Olmagiar t'évoque quelque chose? Je crains que non. Pourquoi? De quoi s'agit-il? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à 2 reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient, aux dépens de pauvres créatures innocentes sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone, et je pense que si on la fouillait un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Je garderai ton secret, ne pas de t'en soucis. Fais pas, Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après elle, Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée? Poppy le sang.
Fais bien attention. Ah, ça c'est stylé. Un château entier où errer et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennui. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez ? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers ? Nous n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire. Nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. Ok, ça va. Fais à ton aise. C'était un sacré charmeur. Ça aurait pu être pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et les braconniers n'arrangent rien. Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers ? J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitants de Préolar. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. J'aime trop les centaures. De un, parce que je suis sagittaire et que c'est un peu animal... Pas animal. Human. Noïde. C'est la troisième fois que je vois un fangieux aussi violent. Ok. En ce moment, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. J'ai remarqué, moi aussi. Je me demande ce qui les met dans cet état. Mais reste pas près de l'eau, du coup. Revelio. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne suis pas sûre, mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. Let's go. Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant ? J'entends des bruits de temps en temps. Pauvre bête. Il y a toujours de la fumée. Ils ont dû partir il y a peu. C'est du métal gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Je devrais en informer Poppy. Pour le moment, ma meilleure strap pouf-souf, c'est Poppy. Non, Serpentard, il y a Sébastien et Gryffondor, c'est... Il y avait des braconniers. Je sais comment j'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication gobelin. J'ai trouvé une armure de gobelin. Continuons à chercher, mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. J'ai un mauvais pressentiment. Mais reste derrière moi, Poppy. Quel pourrait être passe devant si tu veux. Des gobelins et des braconniers. Regarde, là-bas. Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici ? Réveillons. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion ? Ou une approche un peu moins discrète ? Pas facile c'est à dire. C'est ce que je fais, Poppy. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. 8 mois. Et on va les fumer. Alors, lui là. Alors. Le ministère devrait se détendre un peu. Alors, eux trois sont dedans. Donc ils vont être faciles à atteindre. Lui bouge. Lui bouge aussi. Donc c'est les deux premiers, ceux-là, à s'en occuper. Petrificus Totalus. Ok. Avant que lui revienne, on va s'occuper de lui. Et les trois autres. On va les faire dans l'ordre. Ok, là-dessus on est bon. Poppy est en sécurité. Revelio. Là c'est des potions donc j'ai plus place. Arrêtez un peu de baver comme ça. On croirait que vous avez mangé un verre à crasse. Tocard. Il y a la Totalus. Ah Merlin, on pourrait croire qu'il protège le ministre de la magie. Revelio. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Pas qui est le ministre de la magie. Je sais pas si je l'ai déjà vu. Je sais pas si j'en ai déjà entendu parler. Entrez dans la tente.
ça pue la tente. Ça, je crois que ça va être une giga grosse tente. Ça alors, par Merlin. Ouais, voilà. Ce sont des dragons. Ah non, c'est. Après, c'est stylé de voir des tentes comme ça. C'est une arène de combat de dragons. Je crois que c'est le Hall Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant et pourquoi c'est secret. Pas étonnant que les braconniers passent tant de temps à Priolar. Ils doivent prendre des paris et parler de leur combat, vu le monde qu'il y a ici. Comment ils peuvent trouver ça amusant? Je comprends pourquoi les centaures méprisent les sorciers. Il doit y avoir d'autres dragons ici. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement deux dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fouiner un peu. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. Let's go. Un pied après l'autre. Rébellion. Discrètement que possible. Alors, à tout prix éviter de me faire repérer. Je ne sais pas ce qui a pris à Victor de passer en marche. Vicus Totalus. Après, je vais peut-être diminuer le son parce que là, vu que j'ai augmenté le son en général, je réentends les. Pas assez fort quoi. Hop, j'ai essayé de trouver vraiment la meilleure. Révélio. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que là on s'est passé? On peut pas passer. Je crois que par là. Qu'est-ce qu'on a aux alentours? Oh, ici. Ok. Mais c'est vraiment stylé. As-tu des nouvelles de ta famille? Est-ce que l'un de tes frères pense comme nous? Vont-ils nous rejoindre? Bah, ils disent que nous allons trop loin, que nous n'obtiendrons rien par la violence. Ha! Moi, je dis que si on pourfendait jusqu'au dernier sorcier d'un coup d'épée, alors la violence me donnera précisément ce que je veux. Ça me dégoûte de travailler à leur côté. J'ignore comment Ranrok fait pour supporter Rockwood. Quel abject personnage. Nous n'en avons plus pour longtemps. Bientôt, nous serons libérés des chaînes des sorciers. Ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Ah, vous vous êtes fié à la mauvaise personne, et vous allez en subir les conséquences. Petrificus Totalus. Yeah, maintenant on va s'occuper des deux autres. Est-ce que le son des voix est pas trop forte? Révélio. Ok, là-dessus on est bon. Qu'est-ce qu'on peut voir par ici? Ça, c'est des potions Wiganweld. Ouais, je me doute, je vais diminuer un petit peu le son des dialogues. Je vais mettre à 65. Révélio. Alors, tout le monde est par là. On va pouvoir remonter par ici. Est-ce que je peux les fouiller par là? Est-ce que je peux escalader même? Oh, il y a des griffons. Enfin, je vais regarder un peu les... Mais c'est vraiment trop stylé, ouais. Je peux pas monter là? Non. Ok. On va continuer par ici. Ici, je peux pas y aller. Tu as entendu ces gobelins? Ranrok et les braconniers doivent être associés. Poppy, il se passe quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comme elle est enchaînée. Alors, allons l'aider, d'accord? Mais libérer un dragon, il y a quand même mieux comme idée, hein. Révélio. Regarde, ils ont un œuf de dragon. On dirait un noir des hybrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit d'en faire. Et on peut pas le laisser là.
Quand on va avoir un dragon à nous. Pourquoi je peux plus courir? Allô, Mora. Ok, là-dessus c'est bon. Qu'est-ce que j'ai? Ça c'est bon aussi. Ce serait stylé si ça devient une monture. Hein. Après ça m'étonnerait parce qu'un dragon c'est quand même énorme. Très bien, j'ai l'œuf. C'est bon, l'effet de surprise nous fera gagner seulement quelques secondes. Ils vont le regretter. Mais moi je vais aller les fumer, hein. On va aller libérer les dragons. Révélio. Ça me paraît compliqué. Bon, il y a un type là au-dessus. Ok. Ok, là je sens que le son va super fort. Alors, effet de son, on va diminuer un petit peu. Dialogue, on va mettre à 55. Ah, mais il y a dragon là derrière. Oh, secours. Bon, comment est-ce que je l'attaque lui? Ici. Ah, mes oreilles. Faut vraiment que je diminue le son. Hein. Mais après, j'ai l'impression que je vais diminuer trop par ici. Je sais pas quel réglage est le mieux. Ça comme ça ici. On va voir si ça va déjà moins fort. Ça va un peu moins fort. Ah mais il m'a vu. Popi le sang et en vie, c'est bon. Toi, c'est toi que je cherchais. Je vois que tu as amené une amie. Attends. Pour le moment, on a l'air d'être en vie. On la libère tout de suite avant qu'il en arrive d'autres. Alors. Est-ce que le son du jeu, ça a l'air d'aller là? C'était peut-être pas une bonne idée. Je crois qu'on va bientôt le savoir. Moi, je crois que c'était vraiment pas une bonne idée non plus.
Et le dragon va nous sauver. Quel? Ça va devenir notre pote? Ok. Par ici. Voilà, le son a l'air un peu plus équilibré. C'était un noir des Hébrides. Je suppose que l'œuf est celui de ce dragon. Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son œuf. Elle ne serait pas partisan. On fait quoi maintenant? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, l'arène de combat. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et les braconniers nous ont vus. Ça n'augure rien de bon. Puisque le dragon qu'on a libéré s'est envolé, est-ce qu'on peut garder l'œuf? Je préfère qu'on le garde plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers. Du moins pour l'instant. Mais je ne crois pas qu'on devrait le garder indéfiniment. On ne pourra pas le cacher au professeur Weasley très longtemps. Vu alors... les problèmes qu'on a causés aux braconniers, est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'ils se vengent? L'inverse serait étonnant. Ils ne sont pas du genre à pardonner. Je suis désolée de te dire ça, mais je crains que tu ne sois encore plus en danger avec ce qu'on vient de faire. Bon, sortons d'ici. Il n'y a rien de rester ici. Mettons-nous en sécurité. On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. Marie n'entend pas bien le... Ah. On se retrouve au château. Je viens d'avoir un succès. Donc on est à 18. Je change juste dans le titre du live. 18. Je regarde si je suis bien à 18 partout. Hop, ici. Ça me les affiche pas. Bon, on va dire qu'on a 18, je n'ai pas vu d'autres s'afficher. Ok. Par contre, Marine n'entend pas bien les dialogues. On va voir si ça fonctionne comme ça. Est-ce que je peux lui parler? Capousse. Expelliarmus. Repulso. Bah, je peux pas la fumer. Parle-moi, parle-moi, Poppy. Il est temps d'apprendre le sortilège de métamorphose. Lorsque vous aurez terminé vos tâches, qui s'avéreront certainement utiles pour remplir votre guide du sorcier, venez assister à mon cours pour apprendre ce nouveau sortilège. Ensuite, nous discuterons de vos progrès de ce trimestre. Ok, professeur Weasley, bah, je vais venir à vous. Moi, je sens que les voix vont pas aller pour toi, donc on va les augmenter un peu à 80. Et on va voir. Mais tantôt, le son était vraiment trop trop fort. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est d'apprendre le plus de sorts. Donc, on va aller voir le professeur Weasley. Récupérer la page du guide du sorcier dans le manuel du cours. Dans la bibliothèque. Ok. Donc, pour ça, la carte bibliothèque, c'est Poudlard. Et bibliothèque, c'est l'aile du clocher. Non, c'est pas là. C'est ici, je pense. Non plus. Ici. Bibliothèque, c'est ça. On va pouvoir aller là au bout. Récupérer la page du guide des sorcières dans la bibliothèque. Revelio. Le livre que le professeur Weasley m'a demandé de trouver doit être dans les parages. Tu cherches le manuel du cours moyen de métamorphose? Le professeur Weasley m'a demandé de récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je la voir? Ah oui, vraiment.
Je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions. Quoi ? Pour certains, les bribes de connaissances sont des futilités. Mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. J'ai donc créé un questionnaire, juste pour s'amuser, dans le but de voir si tu connais bien le monde des sorciers. Allez, 100%. Les autres élèves, s'ils voulaient essayer, mais ils ont toujours refusé. Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça. Ah, ils n'accordent pas autant de valeur que moi au savoir. Je suis sûre que ça t'intéresse. Je vais commencer par les questions les plus simples. Allez, ça pourrait être amusant. Ça pourrait être amusant. Formidable! Je vais te poser quelques questions, puis je te donnerai ce livre. Commençons. Avant l'invention du vif d'or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch ? C'était le vivet doré. Je pense qu'on l'apprend dans les livres. C'est le vivet doré. Exact. Le vivet a été utilisé pour la première fois au Quidditch en 1269 par un sorcier dénommé Barbarus Bragg. Malheureusement, l'espèce est considérée comme éteinte. Question suivante. Quelle potion est communément appelée chance liquide ? Ça, c'est dans les films, c'est Félix Felicis. Félix Felicis. Bravo ! Le livre et film. Puisque Félix Felicis porte temporairement chance à celui qui la boit, elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Quels artefacts magiques sont évoqués dans le conte des trois frères ? Ok, ça c'est facile aussi. Les reliques de la mort. Les reliques de la mort. Correct ! D'après Beedle le Bard, les reliques de la mort se composent de la baguette de Sureau, de la pierre de résurrection et de la cape d'invisibilité. Quelle balle de Quidditch est la plus grosse ? Ah, ça je sais plus. Vif d'or, c'est le plus petit. Cognard ou soif ? Laquelle ? Entre le cognard et le soif ? Je sais plus du tout. Je dirais le soif. Le soif. C'est exact. Lorsqu'un joueur lance le swaffle dans l'un des trois cercles lors d'un match de Quidditch, l'équipe reçoit 10 points. Vrai ou faux ? Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. Ça, c'est faux. C'est faux. Exact. Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe, il ne permet pas de changer d'espèce. Eh bien, je pense que cela a assez duré. Je vais remettre le livre sur le piédestal. Si tu souhaites de nouveau évaluer... Petit 100% qui fait plaisir. J'ai plein d'autres questions à te poser. Merci les livres Harry Potter, merci les films Harry Potter. Comme ça. Les prochaines seront plus difficiles. Merci le Quidditch à travers les âges. J'aimerais d'autres questions. Ouais, vas-y. J'aimerais répondre à plus de questions. Quel organisme gouvernemental précédait le ministère... Ah, et là, je vais me faire fumer. Voilà, voilà. L'ordre de Merlin... J'ai envie de dire l'ordre de Merlin, mais en vrai, j'en sais rien du tout. L'ordre de Merlin. Non, c'est faux. La réponse... Voilà, j'ouvre ma gueule et je me fais fumer derrière. Le Conseil des sorciers a été dissous en 1707, après la création du Code international du secret magique, qui nécessitait un gouvernement plus structuré pour appuyer son application. Quelle est la plus petite race de dragon ? Mais ça non plus, j'en sais rien. La dent de vipère du PF, je sais pas. Non, je suis voilà, voilà. J'ai vraiment giga karma là. Deux fautes quoi. J'ai ouvert ma gueule. Je sais plus rien répondre. Elle est également la plus rapide et l'une des plus redoutées en raison de ses crochets venimeux. Qui a fondé le village de Préolar ? Je crois que c'est le premier. Je crois qu'on l'a appris. Hengist de Woodcroft. C'est juste. Ok, ça va. On l'a appris dans le jeu. Aux trois balais. Quelle créature a été accidentellement croisée avec une goule, donnant ainsi naissance à un dissimuleur ? Mais je sais même pas ce que c'est un dissimuleur. Bah, dissimuleur, je dirais demi-guise. Une demi-guise. Bien que le dissimuleur ait la capacité logique, là. De se rendre invisible, ceux qui l'ont vu le décrivent comme un grand singe mince avec des poils gris. Quel est le seul sortilège capable de repousser un mot rempli ? Mais j'en ai pas la moindre idée. Un mot rempli, c'est quoi un mot rempli ? Patronus, c'est pas ça. Stupéfixe. Moi, je dirais le repousse tout, mais... La réponse était le sortilège du Patronus. Quoi ? Le seul survivant connu d'une attaque de mots remplis était un sorcier dénommé Flavius Belby, qui était en vacances en Papouasie-Nouvelle-Guinée au moment des faits.
qui a publié la loi sur la métamorphose élémentaire ? J'aimerais que ça s'arrête, j'en ai marre de me faire fumer. Parce que ça non plus, j'en ai aucune idée. Qui a publié la loi sur la métamorphose élémentaire ? Comment est-ce que je peux savoir ça ? Orpington ? Toutes les premières questions, en vrai, si je m'arrêtais, si je partais avec la page du livre, j'avais 100%. Là, je me fais fumer parce que c'est des questions qui... giga poitilleuses, en fait. Mais j'accepte d'être, de pas connaître tout l'univers Harry Potter. Qui a publié la loi sur la métamorphose ? En vrai, je vais répondre dans le tas. Montmorency. Laverne de Montmorency. C'est incorrect. La réponse que j'ai nickel. Était Gamp. L'une des principales exceptions à la loi de Gamp est que la nourriture ne peut pas être créée, mais elle peut être invoquée. Que signifie la devise de Poudlard ? Il ne faut pas chatouiller le dragon qui dort. Ça aussi, on l'a pris dans le jeu. Il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Correct. En latin, la devise de Poudlard est Draco dormiens nunquam titillandus. Quelle est la seule créature magique connue pour pondre ses œufs par la gueule ? Non plus, j'en sais rien du tout. Le basilic, non, à mon avis. Serpent cendre, on en voit beaucoup. Je sais pas. Le serpent cendre. C'est incorrect. La bonne réponse était le runespour. D'après des fourches langues, chacune des trois têtes du runespour a une fonction spécifique. La tête de gauche organise, la tête du milieu rêve et la tête de droite critique. Où se situe l'école de sorcellerie d'Ilvermorny ? On peut arrêter, je veux jouer. Je veux jouer. Ilvermorny. Montgréloc, dans les Pyrénées. Mais il y a déjà une école en France à Beaubaton. Est-ce qu'ils auraient mis deux écoles en France ? Forêt amazonienne. Ilvermorny. Montgréloc. Je sais pas du tout non plus. Sur le mont Greylock. Bravo. Ok. L'école américaine a été fondée au XVIIe siècle par Isolde Serre et James Stewart. Quel est le filtre d'amour le plus puissant connu des sorciers ? Le filtre d'amour ? La Mortensia ? La Mortensia. C'est la bonne réponse. Ouais, ça aussi, on le voit dans livres et films. En fonction des goûts de chaque personne. Elle peut, par exemple, sentir les livres poussiéreux ou... Souhaites-tu passer à la prochaine série de questions ? Ce sont les questions les plus difficiles. Oh, j'ai... Non. Quoique... En vrai, on apprend des choses sur l'univers Harry Potter. Vas-y. Vas-y, pose-les-moi. Tant pis. J'admire ta soif de connaissances. Par qui Aymeric le Hargneux a-t-il été tué en duel ? Le Hargneux, par le Magnifique. Edbert, le Magnifique. Ça me fait beaucoup rire. Ok, nickel. Est célèbre pour avoir terrorisé les villages du sud de l'Angleterre au Moyen-Âge, lorsqu'il détenait la baguette de Sureau. Si un poursuiveur garde ses mains sur le soifle lorsqu'il traverse l'anneau de but, quelle faute commet-il ? Un bout en choc à test but. Si un poursuiveur garde ses mains sur le soifle lorsqu'il traverse l'anneau de but, quelle faute commet-il ? Bouton à choc, poignée en sac, tasse but. J'en ai pas la moindre idée. Bouton choc, poignée en sac. Tasse but. Mais s'il passe le but, allez, tasse but. Un tasse but. La réponse était le poignée en sac. Le bouton choc consiste à percuter délibérément un autre joueur. Le tasse but survient lorsque deux poursuiveurs écartent le gardien de l'équipe adverse afin de permettre à un troisième poursuiveur de marquer. Quel effet secondaire surprenant est causé par la morsure du malagriffe tacheté ? Ça, j'en ai pas la moindre idée non plus, mais ça me ferait beaucoup rire que ce soit des oreilles poilues. Des oreilles poilues. Non, la réponse était la malchance. Le malagriffe est originaire des côtes européennes. Les effets de sa morsure peuvent durer jusqu'à une semaine. Quelle plante sécrète de l'ampestine ? De l'ampestine ? C'est fou comme je connais rien du tout en fait. La fève soporifique. Ampestine. Le Mimbulus mimbletonia. Correct. Le Mimbulus mimbletonia est une plante qui sécrète de l'ampestine comme mécanisme de défense lorsqu'on la touche. Quel sorcier du XIIe siècle a inventé le remède à l'origine de la pimentine ?
Black, Stinkombe, Wright, Bowman. Quel sorcier du 12e siècle? Basil Flack. Basil Flack. C'est incorrect. La réponse était Linfred de Stinchcombe. Tout ça, je connais vraiment absolument rien. Je réponds au hasard depuis tantôt. Mars aurait étoffé le travail de Linfred afin de créer la pimentine que nous connaissons aujourd'hui. Dans Le sorcier et la marmite sauteuse, que laisse le vieux sorcier pour son fils dans la marmite sauteuse? Oh, ça, je l'ai lu en plus. Le sorcier. Je l'ai lu le conte Le sorcier et la marmite sauteuse, mais je me rappelle absolument plus. Un petit poste, sa baguette. Je pense pas que ce soit sa baguette. Une pantoufle. Je vais mettre un petit poste. Je sais pas du tout. La réponse était une pantoufle. L'histoire a été créée par Beedle le Bard, mais il existe plusieurs versions. Si tu ne l'as pas lu, je te laisse découvrir par toi-même à quoi sert la pantoufle. De quelle région du monde est originaire le Snallygaster? En vrai, j'ai envie d'arrêter. Libérez-moi de ça. Snallygaster. Ça ressemble fort comme Alligator. Alligator, c'est quoi, Amérique du Nord? L'Amérique du Nord. C'est exact. Cette créature, mi-oiseau, mi-reptile, est un lointain parent de l'Okami. Il est doté de dents crantées et d'une peau blindée. Qui est le chevalier moldu illustré dans la fontaine de la bonne fortune? Qui est le ce Sir Lancelot? Sir Lancelot. Non, la réponse okay. est Sir sans chance. Les trois sorcières de l'histoire s'appellent Asha, Altéda et Amata. Oh, j'adore les histoires qui se terminent par un rebondissement. Sous quel autre nom est connu le plus grand kelpie du monde? Ça, on sait. C'est le monstre du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness. Correct. Le bureau de désinformation s'est donné beaucoup de mal pour discréditer toutes les preuves de l'existence du kelpie obtenues par les moldus. Qui était le premier ministre de la magie? Ça, j'en ai pas la moindre idée non plus. Peverell, ce sera Peverell. Ce serait quand même formidable que ce serait Peverell. Cadmus Peverell. Non, le premier ministre était Ulic Gamp. Le plus grand héritage de Gamp est le département de la justice magique, qui a interdit les sortilèges impardonnables. Tu as répondu à toutes mes questions. Ah, c'est agréable de voir que quelqu'un d'autre apprécie la valeur du savoir. Tu J'apprécie ça, mais bon, réponse, un petit peu long. Je suis sûre que tu as appris des choses. Ouais, merci tout plein. D'avoir accepté de répondre à mon questionnaire. J'ai passé un très bon moment. J'ai remis le livre sur le piédestal. Donc je vois que tu... Pour toi, Marine, ça ne va toujours pas le son. Comment est-ce que je pourrais faire? On va laisser comme ça, on va voir si ça change quelque chose. Je devrais trouver rapidement avec Rebellion. Manuel du coureur moyen de métamorphose. Ce livre permet aux élèves d'apprendre des types de métamorphose plus complexes. Le professeur Weasley leur recommande souvent à ses élèves talentueux en guise de lecture d'agrément. J'ai terminé les tâches du professeur Weasley. Je devrais aller en cours de métamorphose. Et on va pouvoir aller en cours de métamorphose. Là, normalement, j'ai de nouveau augmenté un peu le son. Pour me dire si ça fonctionne, enfin, si ça va pour toi. Pour de nouvelles aventures. Revelio. On va voir dans les prochains dialogues ici. Ah, il y a des coffres là pas ouverts. Juste ouvrir ça. Allô, Mora. Alors, deux coffres normalement à une lettre. Revelio. Ouais. La lettre. Cher professeur Weasley, merci pour votre hibou. Je suis plus que ravi d'apprendre que la dernière promotion d'élèves de 7e année comprend un certain nombre de jeunes gens à la fois motivés et aptes à une carrière au ministère. Bien évidemment, cela dépendra de leurs résultats au BUS. Mais votre opinion ne manquera pas de peser sur la décision de nos recruteurs. Bénéficie d'une perspective unique étant donné votre expérience à nos côtés et j'en suis très reconnaissant. J'attends d'autres rapports de votre part au fil des années. Très cordialement, Faris Pavin.
ministre de la magie, Londres. Alors, on va assister au cours de métamorphose. Dans la journée, j'ai capté. Ça a pas passé ? Oui, je peux passer là. Ok. Ma mère veut me parler. Je crois qu'elle sait ce qu'on manigance. J'espère qu'elle sera plus conciliante si tu es avec moi. Ok, donc Onai veut... Prochaine quête. Asseyez-vous. Asseyez-vous. La métamorphose, comme vous m'entendez le répéter chaque année, est une science exacte qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser. Mais ne soyez pas découragés. En vérité, pratiquement tout peut être métamorphosé quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme. Comme je vois en chacun de vous, des sorcières et des sorciers fabuleux tous sans exception. Ou alors, peut-être que j'ai la vue qui baisse. Bon, vous savez tous quoi faire. Espace, clic gauche, espace, F, et c'est bon. Il a même pas fait le mouvement de baguette. Excellent travail. Pouvons-nous nous retrouver aux trois balais ? Depuis que nous avons sauvé le dragon du Hall Magia, l'endroit est à nouveau sûr. Alors. Vous souhaitiez discuter de mes progrès actuels pour ce trimestre, professeur ? Tout à fait. Vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre. Et franchement, vous excellez dans vos devoirs cette année. Les devoirs m'ont aidé. Professeur, les devoirs supplémentaires ont été utiles. C'est bien ce que je pensais. Il semble que vous ayez fait très bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier. Bien sûr, le guide n'est pas la seule mesure du succès. Chic m'a dit que vous aviez capturé une licorne et que vous l'aviez amenée dans la salle sur demande. Protéger une créature aussi rare, ce n'est pas rien à votre âge. Félicitations. Merci, professeur. Je dois dire que je suis très impressionnée par tout ce que vous avez accompli. Vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extrascolaires. Vos discussions avec l'elfe de maison du professeur Black et l'exploration de plusieurs grottes près du lac étaient-elles liées d'une façon ou d'une autre au professeur Fig ? Ich. Non. On va mentir. J'étais intrigué par les rumeurs au sujet d'un calmar géant. J'ai rencontré Scrop qui semblait ravi de partager ses connaissances sur le sujet. Je vois. J'admire votre penchant pour l'apprentissage, mais n'oubliez pas que vos devoirs et le guide du sorcier sont là pour vous instruire efficacement. La fin de l'année va vite arriver et vous allez devoir bien vous préparer pour vos buses. Je vous donnerai une évaluation finale à ce moment-là pour m'assurer que vous êtes prêt pour vos examens. En attendant, je vous félicite. Vous pouvez partir. Let's go, on va partir. On va retourner dans la salle sur demande. Devoir terminer 6 sur 6. On a un sortilège en plus. Et il nous manque plus que les deux interdits. Juste tester, voir ce que ça fait. Depuis notre dernière visite à Feldcroft, je me suis rendu compte de quelque chose au sujet du triptyque. Retrouve-moi au Belvédère, au nord de la forêt interdite. Je vais tout expliquer. Ok, donc les trois veulent me voir. Mon plan initial a échoué, mais j'ai une autre idée. Nous devrions pouvoir trouver ce qu'il nous faut dans une mine de gobelins au sud de Poudlard. Je vous y attends. Et amener quelqu'un qui parle de gobelins. Ok, donc toute la quête qui arrive. Ouais, 4-4, ok. Carte, nous on va aller d'abord. On va aller. Regarde juste s'il n'y a pas de quête secondaire. Non, il n'est pas là. Bon, on va aller...
s'occuper des créatures magiques pour récupérer tout ce qu'il nous faut. Avant de continuer. Alors. Ici, on avait quoi? Il faut que je les brosse. Il faut que je leur donne à manger. Mais il y a bébé. Mais le bébé, il est trop mignon. Mais le sombral aussi. Mais c'est trop bien. Donnez-moi tous les bébés. Par contre, du coup, on a eu un bébé sombral et on a eu un bébé aux deux lunes. Maintenant, on va faire un bébé crapaud. Oh non, je l'ai envoyé alors que j'ai pas récupéré les... Continuons, toi là au bout. Non. Hop. On peut déjà récupérer. Toi ici. Bon aussi. Et il me manque. Ah oui, le bébé vaut de lune. Tu peux pas zoomer dessus, non? Il est où? Ah mais il est là. Ça a l'air si béné. J'adore ça. J'aime vraiment. Bon, allons voir les autres. Alors ici. Elle est céleste. Mais il y a bébé boursouf aussi. Par contre, le bébé hippogriffe, il est tellement laid. Tout ignoble. Ok, on peut récupérer ça. Pas de licorne. Ouais, j'ai commencé à faire reproduire un peu tous les ce que j'avais. Ouais, j'ai essayé de faire des couples. Tous les couples que je pouvais faire, je les ai faits. Pour le moment, je pense pas avoir trouvé tout. Il manque encore deux animaux fantastiques. Et je sais pas où les trouver. Ah. Viens un peu ici. Alors, ah, il y a encore un boursouf qui a pas bien mangé. Ah, mais c'est lui. Et là. Ok, donc tout le monde a été bon ici. Et alors ici. Et faire produire quoi? Hippogriffe et boursouf. Donc là, on va faire l'erreur. Et après le flaireur. On fera la licorne. Hop. D'ailleurs ici. Je n'ai rien à utiliser là-dessus pour le moment. Le dernier. Ah mais ça c'est le jeu Barbie bébé, Nifleur bébé. Ça s'y faire. Les autres jeux Barbie. Il manque quoi? Un Dirico. Ah. S'y faire.
Je t'ai soigné, toi je t'ai soigné, toi pas encore. Toi pas encore. Toi non plus. On va déjà te nourrir. Viens là. Nouvelle quête disponible. C'est bon, ça c'est bon. Toi viens un peu ici. Et commande à manger, ça c'est bon, ça c'est bon. Oui, j'ai un peu exploité du coup le système, mais. L'état de Anne empire. S'il y a une chance pour que la relique du livre de sort de Serpentard puisse l'aider, je dois la trouver. J'ai besoin de ton aide. Mais en gros, ça fait juste des bébés par-ci par-là. Genre ici, j'ai un bébé Nifleur. Et ah oui, j'ai 3 vivariums maintenant. J'ai 3 vivariums, j'ai été prendre toutes les espèces que je pouvais et j'ai essayé d'en faire des bébés. Non, je peux pas faire des mélanges d'espèces. Ouais, je pense pas du moins. Choisissez une espèce. Donc ça j'ai. Ouais, non, je peux pas faire des mélanges d'espèces. Bah peut-être pour les revendre ou les libérer ou pour je sais pas trop quel intérêt ça pourrait avoir du coup à part ça. Ouais, c'est une bonne façon de se faire de l'argent pour aller sinon je sais pas quoi te dire d'autre. J'ai encore une quête. Ah, retrouver pour Sébastien pour l'Impero. Ouais, je peux les revendre. C'est une bonne façon de faire de l'argent d'ailleurs. Ils se revendent 120 dans un magasin. Dans un magasin qui leur trouve un endroit où vivre. En gros. Quête. Donc devoir terminer, on est au max. Ça c'est bon. Le reste. On n'y est pas encore. Commence à débloquer pas mal ici. Du coup, nous on va commencer par la quête de l'Impero. Pour aller faire la quête de l'Impero. Ah oui, mais j'ai pas été chercher mes plantes. Je vais aller chercher mes plantes. Alors, c'est par ici à gauche. Juste ça, à mon avis, je vais l'enlever. Vider le pot. Chou mordeur de Chine. Mettre de l'engrais. Ici, les potions, je suis au max. Donc ici, je peux attendre. Et du coup, la carte. Carte du monde. Parce que je vois pas la... Ah si, elle est là. Okay. Une fleur. D'ailleurs, il y a bel et bien des shiny. De ceux avec une fourrure un peu plus rare. Tu es là. Bien. Ok. Je te montrerai ça après. Je vais lancer cette quête. Cette relique dont tu parlais. Je crois qu'un élève de Serpentard est tombé sur la relique. Quand il étudiait le sarcophage de ces catacombes pour un devoir. D'après ce que j'ai lu dans le rapport de cet élève, on lui a interdit de la prendre avec lui. Alors, j'imagine qu'elle est encore là. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la relique permet à celui qui la porte d'annuler les mauvais sorts. Si elle est dans ces catacombes, je dois la trouver. Pour Anne. Je dois la voir.
Y a-t-il autre chose à bien savoir ce que l'élève a découvert d'autre. Tiens, regarde. Malheureusement, il n'y a pas de nom dessus. Mais s'il était assez important pour que Serpentard le mette dans son livre de sorts, alors cela vaut la peine de l'étudier plus en détail. Explorer les catacombes. On devrait aller voir Anne quand on aura fini. Parfait. Au fait, Ominis m'a demandé de tes nouvelles. Tu ne lui as pas dit ce qu'on faisait, n'est-ce pas? Non. Je te le promets. Bien. Ominis serait furieux s'il savait ce qu'on s'apprête à faire. Des quoi? Ouais, je vois que tu mets des quoi, mais je sais pas par rapport à quoi tu dis des quoi. Le devoir sur le catacombe m'a réservé bien des surprises. Apprendre à connaître nos ancêtres s'est révélé très enrichissant. Mais j'ai découvert quelque chose que je n'ai pas pu ignorer. Dans une zone délabrée située derrière la grande salle, au milieu des sarcophages profanés, j'ai trouvé une relique à la forme étrange. Je sais plus ce que j'ai voulu dire. Immédiatement, j'ai sorti son pouvoir. J'aimerais beaucoup étudier cette relique plus avant. Si seulement il m'était permis de la garder. J'aimerais comparer ce qui se trouve à l'intérieur avec ce que j'ai pu lire sur cette catacombe. Il t'a dit, je te montrerai. Je sais plus du tout. Désolé. Signifie que nous sommes près du but. J'ai vu une théorie aussi comme quoi il y avait peut-être Dumbledore dans les élèves. Est-ce que c'est la bonne époque pour? Oh non! Libérez-moi. Ah. Au moins, on sait qu'on est pas seul là-dedans. Alors, si on est amené à combattre des araignées, on va faire un petit arc. Feu. Ça, c'est du feu. Ça, c'est du feu. Ça, c'est du feu. Avec ça. Ça doit être fini. Révélio. Insectes dans le reste du tombeau. Alors, les araignées ne sont pas des là, il y a un coffre. Ne commence pas. Action. J'aimerais pouvoir tous les ouvrir. Nous sommes là pour une raison. Nous n'avons d'autre choix que de tous les ouvrir. Alors, on va mettre réparo ça ici. Wingardium Leviosa. Ici, hop. Cette pièce est plus grande qu'elle n'en a l'air. Yeah. Levioso. Confringo. Levioso. Allez, laisse-moi passer, laisse-moi passer. Non? Ah, mais en fait, ça s'ouvre partout. Action. Revelio. Laissez-moi passer. Oh, ok, je peux enfin y aller. Du coup, ici il y a un coffre. Un coffre caché dans une galerie, on ne peut plus ordinaire. Statue de Grabcorn. Revelio. Alors par là, je peux pas encore y aller, je pense. Ce sera plus tard. Continuons. Confringo. Bombarda. Revelio. Alors ici. Et si je m'en porte pas plus exactement. La Sébastien, Action. C'est vraiment le vrai frère. Confringo. Alors, potion ici. Action. Non. Revelio. Action. Donc ici, ça j'ai ouvert. Non. Ah mais si, il y a juste plus de place. Là. Attention, tu marches. J'ai failli glisser. Oh là c'est. J'allais dire que c'était beau. Revelio. Bombarda. Confringo. Confringo. Levioso.
Revelio. Toute cette herbe, ça ne ressemble plus à un tombeau. Quand les araignées plongent dans le sol, je peux utiliser les vieux seaux pour les lever en l'air. Et elles ont été. Et ça les one shot. Revelio. Exactement. Mais tout ira bien. Confringo. C'est un vrai plaisir. Moi, de temps, je passe avec des araignées autour de moi. Revelio. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien d'autre, je pense. On peut continuer. Alors, ça c'était avant. On n'a pas encore exploré par là. Et je vois l'araignée. Je la vois. Voilà le genre de salle dans laquelle j'aimerais être enterré. Entouré par des splendeurs? Entre autres choses, il y a même un hôtel avec un bâtiment. Charmant. Alors, je suppose que je dois ouvrir ici au-dessus. Sarcophage? C'est étrange. Revelio. Donc, ça, je vais pas l'ouvrir. Ça, déjà, c'est mort. Expelliarmus. Axio. Revelio. Bah, si je savais vraiment les. Expelliarmus. Axio. Les vraies araignées, je leur souhaite que du mal. Revelio. Alors, ici. Tu as entendu? Nous sommes dans un tombeau. Je pense que les bruits étranges font partie du décor. Non. Revelio. Et donc tout ça on a exploré ici. Donc, je suppose que je dois faire un truc avec des. C'est quoi? Là je dois y aller aussi à mon avis. Nous avons déjà bien avancé, mais il nous reste encore beaucoup à faire. Je sais pas trop ce que je suis. Quel est le vrai chemin? Ok, j'ai l'impression que c'est la continuité par là. Je vais voir après. On verra. On verra par où on va, on verra ce qu'on fait. En attendant. Réparo. C'est pas ça que je voulais faire. Ça, à mon avis, je dois aller le mettre là tout près. Revelio. Non. Y'a pas d'autre. Y'a quelque chose près de l'hôtel. J'ai bêtement mentionné la relique dans mon rapport et on m'a rappelé de le laisser là-bas. Mais cette recherche mérite que l'on outrepasse certaines règles. Je sens quelque chose de spécial dans cette relique. On dit que les gens choisis par des baguettes magiques enchaînent anglais ont une meilleure intuition. C'est aussi ce que je crois. C'est pourquoi, alors que personne ne regardait, j'ai agi. J'ai invoqué deux barrières pour isoler la relique. Que les ancêtres me pardonnent, mais je me suis servi de leur réseau pour confectionner la clé. Je prévois de revenir, mais je dois d'abord me préparer à notre prochain devoir. Apprendre le sortilège de l'Imperium. Ce sort est censé être bien utile contre nos ennemis. Qu'as-tu trouvé? Revelio. Ok. Donc. Lui parler? On dirait le journal d'un élève. Il mentionne des plans pour récupérer la relique. Et invoquer des barricades en utilisant des ossements. Bien sûr. Le rapport de l'élève mentionne un espace après la grande salle. Ce qui veut dire que ce n'est pas une impasse. Séparons-nous. Toi, tu t'occupes des barricades en os, et moi, je pars en exploration pour voir si nous avons raté quelque chose. Garde bien le journal avec toi. On a peut-être manqué quelque chose. Il parle aussi d'autre chose. Il est écrit que leur prochain devoir est d'apprendre le sortilège de l'Imperium. Vraiment? Intéressant. Nous devons trouver un moyen d'aller plus loin. Attends. Laisse-moi réfléchir un instant. Ouais, je vais commencer. Je vais commencer à chercher ces barricades. Génial. Du coup, j'ai déjà commencé. Regarde. Revelio. Ces ossements sont étrangement empilés de chaque côté de cette arche. Wingardium. Il faut fouiller partout. Sous tous les ossements. Ok. Ok, donc ça est en train de se construire là. Mais ici. Pas trop l'habitude de jouer avec des crânes. Et ça continue à se construire. Là-dedans, il y avait des crânes aussi, je pense. Je vais les prendre avec moi. Les amener ici devant. Est-ce que c'est suffisant?
Ça m'a l'air suffisant. Je savais qu'on s'en sortirait. Donc là, c'est la continuité du passage. Là au-dessus, il n'y a pas de choses à faire. Par ici aussi. Je vais toujours aller par là, on va voir ce qu'il y a par là. Pas l'air d'être le bon chemin, donc... Go explorer. Alors... Revelio. Qu'est-ce qu'on a ici? Action. Okay. Je dois trouver un moyen de traverser. Revelio. Un moyen de traverser. Il faudrait que je fasse venir des eaux. Donc les eaux ont l'air d'être là. Confringo. Lumos. Là, ça a l'air d'être un feu que je peux ouvrir. Ok, un feu ouvert. Un deuxième feu ouvert. Wingardium Leviosa, action. Je vais faire, c'était ça. Parfait. Là-dessus, on est bon. Et avec ça, je voulais aller faire un pont. Remonter par ici. Petit pont d'os. Me fait plaisir. Réparo. Non. Bombarda. Rebellio. Alors, un chemin à droite sur lequel je ne peux pas aller. Un chemin à gauche sur lequel je peux aller. Ah, ici on arrive sur la pièce au-dessus où il y a tous les... Ok. Off. Très encadré. Action. Et ici, Revelio. Juste un autre coffre. C'est de l'argent. Action. Ok. Ok, donc j'ai juste fait le tour. Ça, c'est cool. Revelio. J'ai raté quelque chose. Ça. Tout le reste m'a l'air bon. Aussi stock après je pouvais pas ouvrir. On va descendre. Ah, par contre une grosse salle, ah, ça pue. Confringo. Avant que nous continuions, je viens de réaliser quelque chose. Revelio. Le journal de l'élève mentionne le sortilège de l'Imperium. Ça ne m'étonnerait pas qu'on en ait besoin. C'est un sortilège impardonnable, mais il peut s'avérer utile face à des ennemis trop nombreux. Il place la victime sous l'emprise du lanceur. Ça reste entre nous, mais si tu veux apprendre Impero, je peux t'aider. Ouais, moi je suis chaud. J'aimerais apprendre le sortilège. Il vaut probablement mieux connaître ce sort. Je suis bien d'accord. Un sortilège qui peut nous sauver la vie ne devrait pas être impardonnable. Tu prends de gros risques. Tu as un don que personne n'a vu depuis des siècles. Concentre-toi sur le mouvement de ta baguette. Ce sortilège n'est pas facile à maîtriser. Alors, espace. Gauche. F. Droit. Espace. C'est parti. Oh, trop bien. Il y a quelque chose devant. Sois sur tes gardes. Alors, si j'ai le sortilège de l'Impero... On va le mettre... Je sais même pas où le mettre. Revelio. Alors. Leviosa. Confringo. Bombarda. Oh, y a des grosses araignées Revelio. Partout. Là, j'ai pas l'air de pouvoir y aller pour le moment. Là, il y a l'air d'avoir des grosses araignées. Revelio. Et par là. Confringo. Bombarda. Ok, ici ça a l'air plus gentil. Une autre barricade?
vu la façon dont tu as géré la précédente, Revelio. Ok, mais ça a l'air d'être de la porte. C'est gentil. Je fais pour continuer. Mieux. Mais nous, on veut tout explorer. Pas ma grosse. Je veux pas te voir. Confringo. Bombarda. Incendio. Ok, je m'en vais. J'aurais jamais pensé que les araignées pouvaient être aussi puissantes. Mais toutes les araignées sont dégueulasses. Pourquoi ils continuent à mettre des araignées dans tous les jeux vidéo là? Genre c'est le monstre idéal, en plus elles sont grosses, c'est pas des genre des petites araignées. Ils mettraient des migales dans les jeux vidéo, je pourrais faire avec. Bombarda. Incendio. Là j'ai juste envie de mourir. Revelio. Alors qu'est-ce que j'ai? Revelio. C'est vrai, vraiment c'est tous les jeux. Je pense que ça fait un moment que personne n'a mis les pieds ici. Tous les jeux, t'as des grosses araignées comme ça qui viennent, qui sont à taille humaine et qui veulent te bouffer. Tu vois, genre là, si j'ouvre le coffre, il y a des araignées. Du coup, on va le faire. Ok, ça va. C'est des petites qui veulent pas ma mort. Revelio. Ça reste une minorité. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Action. Comment on m'a envie de tout ouvrir même si ça sert à rien. Ici est-ce que je peux y aller? Oui. Ah là, ici aussi ça pue, non? C'est bon, ça c'est bon. Et ici j'ai tout il me semble. Ok. On continue. À gauche, il y a l'air d'y avoir des choses. Mais on peut pas aller à gauche. On va venir ici. Alors, pas ce que je voulais faire. Action. Ça a fonctionné. Continue. C'est quoi qui a fonctionné? Revelio. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'il en soit ça, on va déjà le mettre ici. Allez. On crée la porte. Alors. Ah non, ok, t'as... Action. Ça avec celui-là à mon avis. Ou alors il y a un ordre? Ce n'est pas la même que la précédente. Cette fois il y a des symboles runiques. Ah non, ok. Donc pour ouvrir cette porte là, il faut que j'ouvre celui-là avec le cercle rond. C'est ça. Du coup, c'est pas ça que je voulais faire. Délaisser les os. Ici, on va apporter les os du coup. Ici. Mais pourquoi j'arrive pas à aller? Expelliarmus, Axio, Wingardium Leviosa. Et donc ça se met à la suite, ça c'est bon. Là il y a encore des os. Là c'est ouvert. Là c'est ouvert. Y'a pas un coffre quelque... Ah si, ici y'a un coffre. Et ici donc c'est celui-là.
avec le cercle en bas. Revelio. De l'argent. Et ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y a un coffre là que j'avais pas vu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc il n'y a plus que le dernier à ouvrir et c'est le Tetris. Action. Tetris avec le rond comme ça. Wingardium Leviosa. Et on va finir la porte. Non. Revelio. Wingardium Leviosa. Ok, si c'est bon. Maintenant que ça c'est fait, on peut continuer aussi. Revelio. Je comprends pourquoi l'élève de Serpentard trouvait cet endroit. Oh, encore des grosses toiles d'araignée. Bombarda. Confringo. Revelio. Confringo. Bombarda. Wingardium Impero. Je me fais marave littérément. Toi tu te tiens avec moi Marus. Confringo Bombarda. Je souffre comme ça. Ah mais elle c'est ma pote du coup. Classius Diffindo. Confringo. Confringo. Ok. J'ai cru que ça n'en finirait jamais. Quoi d'araignée? Réveillez. On a tout plein. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ah mais on est à la fin. On est à la fin. Ici, après il y a d'autres. Ok, au sol. Ici. Du coup, on arrive au bout. Une impasse. Superbe. Tout ça pour rien. Tiens bon, ce n'est pas le moment d'abandonner. Bien, alors. Le message de la relique, où ça? Action. La relique est très prometteuse. Sa puissance pourrait bénéficier à tous les sorciers ainsi qu'au monde entier. Mais le sacrifice obscur nécessaire pour libérer son pouvoir est peut-être trop grand. En attendant d'en savoir plus, il ne faut pas que la relique soit déplacée. Alors, il y a triangle de mort. Sébastien, regarde, la relique. Vraiment? Elle correspond à la description de la relique. Ce doit être l'endroit où l'élève l'a laissée. Je n'y crois pas. Après tout ça, ça correspond. On l'a enfin trouvée. D'après toi, qu'est-ce que ça veut dire, le sacrifice obscur nécessaire pour libérer le potentiel de la relique? Je ne sais pas. Mais on doit trouver la relique. Bah ça veut dire le petit sortilège de mort, non? Je suis prêt à ignorer ce que dit le journal. Prenons la relique. Je suis d'accord. Il le faut. Pour Anne. Je la prends. Retournons à Feldcroft. Je dois garder cette relique secrète. Surtout vis-à-vis de mon oncle. Revelio. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça a l'air d'être Ominis. Ça a l'air d'être Ominis pas content. Ominis? Eh oui, mon ref. Les bruits qu'on entendait, c'était toi. Tu ne m'as pas laissé le choix. Il fallait que je te suive. Sébastien, je t'en prie, oublie la relique. On trouvera un autre moyen d'aider Anne. Je suis désolé, Ominis, mais je la garde. Je ne te laisserai pas faire. Si tu refuses de la reposer, je le ferai. Attendez un peu. Sébastien, s'il te plaît, calme-toi. Très bien.
mais Hominis sait que je ne recule jamais devant un combat. Je n'arrive pas à le croire. Amadoué, Hominis. On va t'amadouer. Qu'est-ce que tu as entendu, Hominis ? J'ai tout entendu. Tu as encouragé Sébastien à prendre la relique. Sébastien a bien étudié la question. Il sait ce qu'il fait. Sébastien présente toujours les choses comme faciles, alors qu'elles sont souvent impossibles, voire dangereuses. Nous devons l'arrêter. Et s'il refuse de changer d'avis ? On doit trouver quelque chose. J'ai besoin de ton aide. Tu as raison. Allons parler à Sébastien. C'est beaucoup plus risqué que Sébastien ne le pense. Bien, nous sommes d'accord. Nous ne le laisserons pas partir avec la relique. Lui parler est une bonne idée, mais j'ai peur que cela ne l'empêche pas de prendre la relique. Qu'est-ce que tu proposes ? Je pense qu'il faut simplement négocier. On autorise Sébastien à partir avec la relique à une seule condition. Après ça, c'est terminé. C'est ce que mais moi je veux pas que ce soit terminé. On me prend pour un imbécile. Pas du tout, Hominis. C'est peut-être le seul moyen de sauver votre amitié. Nous devons lui faire confiance. D'accord. Si je lui fais confiance, alors à toi aussi. La magie noire a toujours l'air inoffensive jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors vas-y, pars avec la relique. Je ne dirai plus un mot. Le pauvre. J'espère que je ne vais pas le regretter. Sébastien, on est prêt. Qu'est-ce qu'il y a ? Let's Je n'ai pas go. Changé d'avis. Hominis a changé d'avis. Partons. Quoi ? Hominis ? Je t'expliquerai en route. Viens. Voilà. Là de l'autre côté. Ah mais il y a toujours un tas de trucs que j'ai pas vu. Bombarda, Confringo, Incendio. Ah mais c'est peut-être pour la suite de la quête. Et je devrais revenir ici plus tard. J'accepte. Alors est-ce que c'est de là que je viens ? Non, j'ai pas l'impression. Je me souviens plus de par où je suis passé. Par là ? Non. Non, ça devait être par là. C'était pas par là. Ils veulent pas me mettre le chemin là ? Vivia disponible ici, tu te fous de ma gueule ? Alors. Comment est-ce que je remonte ? Qui suis-je ? Ok, c'est par là. Alors ? Que s'est-il passé là-bas ? Hominis et moi avons trouvé un compromis. Il te suffit de discuter un moment avec Hominis pour le faire changer d'avis ? C'est tout ? Je lui ai dit qu'on devrait te laisser une chance, que la relique est trop importante pour l'ignorer. Il doit sûrement y avoir autre chose. Je t'écoute. On s'est mis d'accord sur ce qui était nécessaire, Sébastien. Tu as ma parole. Ouais, bon, ta parole vaut pas grand-chose, mon ami. Hop. Je n'ai jamais voulu cacher tout ça, Hominis. C'est seulement... Sur le chemin du retour, Hominis ne m'a même pas regardé. Ça ne lui ressemble pas. Il était perturbé, Sébastien. Même si on était tous d'accord, c'est difficile à accepter. Je croyais qu'il comprendrait. Il savait qu'on ne pouvait pas abandonner. Tout ça est bien trop important. Pour Anne. Infero. Lumos. Lumos. Antoloris. Bon, les sons vont fort quand même, hein. Incendio. Confringo. Bombarda. J'essaie de diminuer un peu le son quand même. Difficile de trouver ce qui va le mieux. Des fois ça va super fort, des fois pas du tout. Ah bah tant qu'on est ici. Avant de retourner à Falcroft. On va faire la petite épreuve de Merlin. Bombarda, Confringo. Bombarda, Confringo. Bombarda, Revelio. Bon allez. Bombarda. Et la deuxième a été
détruite. Alors, il y en a une ici au-dessus. Et la quatrième est là. Revelio. Il y en a encore d'autres ? Là ? Non ? Les autres ? Ah, là au-dessus. Bombarda. Ok, épreuve de mer la terminée. Et retournons à Felcroft. Est-ce que je peux y aller en balai? Non. Oh, c'est un village en feu, ça, non? Quand on sera à Felcroft, je ferai mieux de ne pas dire à Anne ce qu'il a fallu faire pour obtenir la relique. Les Vioso pensent qu'on ministre. Expelliarmus. J'ai pas vu qu'elle était à côté de moi. Action. Action. Expelliarmus. Alors, est-ce qu'on a tout fait? Oui. Donc ici, il y a bien tout le village en feu. Oh non, je n'aime pas ça. Qu'y a-t-il? De la fumée là-bas, près du... Ah mais oui, mais c'est parce qu'il y a des gobelins. Felcroft a des ennuis. La ville est attaquée. Dépêchons-nous. Tu ne m'arrêteras pas. Impero. Oh, c'est moi qui vous aide. Ton mieux. Tu vas arrêter d'avoir mis. Je ne m'arrêterai Impero. Hyper hardcore. Mon garçon, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai fait que sauver ma sœur. C'est un sortilège impardonnable, sûrement tiré de ce maudit livre. Ton père en est loin de toi. Tu es allé trop loin, Sébastien. Ne t'approche plus d'elle. Ne t'approche plus de nous. Il y avait peut-être de meilleures façons de faire ça. Qu'est-ce que mon oncle voulait que je fasse? Le sortilège de l'Imperium a sauvé Anne. Ce gobelin allait la tuer. Tu as fait ce... On va lui dire. Faire. Quand même, si vas-y. Si mon oncle veut d'autres preuves, je continuerai. Il ne peut m'éloigner de ma maison. Et encore moins de ma sœur. Il vaut mieux le laisser se calmer un peu. Je peux lui parler?
J'arriverai peut-être à lui faire entendre raison. Tu as peut-être raison. Bien. Il vaudrait mieux que je disparaisse quelque temps. Je vais retourner à Poudlard. Parlez à Solomon. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a des potions Wiganwell. On a un coffre. Lumos. Autre. Revelio. Emplacement d'équipement presque pas là. Une fois qu'il y a de l'argent, je récupère. Ok, pas de soucis. On se voit bientôt, de toute façon. Ici, il est plus là lui? Ok. Alors. Mais à quoi pensait-il? Excusez-moi, monsieur Palot. Ce que Sébastien a fait est impardonnable. Vous ne comptez tout de même pas le défendre. Sébastien et moi avons déjà eu affaire à des fidèles de Ranrok. Ce gobelin aurait tué Anne. Notre famille n'a pas recours à la magie noire, même contre nos ennemis. Ce que Sébastien a fait est irréversible. Le fait que vous défendiez le comportement de Sébastien en dit long sur vous. Vous êtes aussi coupable que lui. Sébastien ne s'approchera plus de Fellcroft, ni d'Anne. Les sortilèges impardonnables le sont pour une raison. Si j'apprends que vous continuez dans cette voie, si l'un d'entre vous utilise à nouveau la magie noire, j'en informerai immédiatement le directeur. Ah, ça, ça pue. Pourquoi, Sébastien ? Très chaud qu'il parle au directeur de... De tout ça. Semble être assez agréable. Par contre, où est le... Où est le marchand? Si j'attends, est-ce qu'il est là? Il a pas l'air d'être là. Parler à Sébastien dans la crypte. Ah, j'ai encore une quête avec lui? À tout de suite, ok. Beaucoup de choses que j'aimerais bien faire par ici, mais j'ai plus de place. Je vais aller à Préolard pour vendre. Bon, je vais aller vendre mes affaires. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Alors, on a un magasin normalement juste ici. Vous êtes de retour? C'est un plaisir de vous revoir. C'est toujours un vieux balai de mort. Tout le reste, on va pouvoir vendre. Ah non, je pouvais. C'était meilleur, tant pis. Ah ouais, j'avais beaucoup. Ça aussi c'est meilleur. Je vais toujours la garder du coup. Je vais lui acheter son balai, mais il me semble que j'ai déjà ce celui-là. Ce balai fera votre bonheur, je vous le garantis. Merci de votre visite, j'espère vous revoir. On en aura deux, parler à Sébastien dans la crypte. Carte de Poudlard. Poudlard, on doit venir par ici. La crypte est par là. Ce guide du sorcier est bien pratique. Et c'est ici en dessous. Revelio. Voyons voir ce qu'il nous veut du coup.
As-tu parlé Qu'est-ce à Sébastien oncle? J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles de Anne et de ton oncle. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Malheureusement, il ne veut plus que tu viennes à Feldcroft. Ou voir Anne. Je devais empêcher ce gobelin de tuer ma sœur. Il n'a pas le droit de m'empêcher de voir ma jumelle. S'il pense qu'il suffit de me bannir pour que je renonce à sauver Anne, il se trompe lourdement. Il a aussi dit qu'il ne pouvait pas tolérer l'usage de la magie noire. Et que s'il entendait dire qu'on y avait recours, il irait voir le professeur Black. Magie noire ou pas, cette relique est la clé pour sauver Anne. Pour conjurer le mauvais sort. Je refuse de perdre Anne. Je devrais envoyer le blason à Anne. Elle comprendra que nous devons nous voir. Je ne te suis pas très bien. Ce n'est rien. Juste une idée. Je suis plus déterminé que jamais à découvrir le pouvoir qu'offre la relique. Qu'est-ce que tu veux dire par envoyer un blason pour qu'elle sache où te rejoindre? Nous venions de perdre nos parents, et nous faisions nos valises pour aller chez Solomon. Nous ne pouvions pas tout emporter. Elle était en train d'organiser ses biens les plus précieux. Des artefacts ayant appartenu à notre famille. Des bijoux, des cartes, des photographies. Et puis, elle est tombée sur son artefact préféré. Un blason fait main. Sans hésiter, elle me l'a tendu. Il te protégera, m'a-t-elle dit. Il n'est pas enchanté, mais depuis, il ne me quitte plus. Il me permettra de joindre Anne. Je lui ferai parvenir le blason et lui expliquerai où me trouver. Attention, Sébastien. Ton oncle pourrait l'intercepter. Et on sera renvoyé. Hominis nous en veut. Mais il en veut plus à sa famille. Si nous avions besoin de son aide, il n'hésiterait pas à utiliser leur relation avec le directeur. Ok. J'attendrai de tes nouvelles, alors. Merci. J'apprécie énormément ton soutien en ce moment. Pas de soucis, mon ref. On va soigner ta sœur. Dès que j'en saurai plus. Je sauverai ta sœur avec toi. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Course de balai. Toujours pas de quête secondaire. Bon, quête. Entre mère et fille, parler à Poppy. 25, 30, 20. 21, 22. Alors, on va aller Poppy. Ouais, Poppy. On va parler de dragon, ça je kiffe. Carte du monde. Poppy, t'as Préolard. Et t'as Préolard. Préolard, me voilà. T'es où du coup? On va rentrer par ici. Revelio. Par ici. Ça change de notre dernière sortie. Ne m'en parle pas. Rien que de penser à cette tente, ça me rend furieuse. Je pense souvent à ces pauvres dragons dans l'arène. Les colliers qu'ils portaient, ils semblaient faits en argent gobelin. Je pense que c'est un de ces colliers que nous avons trouvé dans ce camp de braconniers. Je ne les avais jamais vus utiliser un tel objet auparavant. Le dragon qui a attaqué ma diligence portait un collier. Et le professeur Fig était très surpris par son comportement. J'ai toujours trouvé que cette attaque sortait de nulle part. Il y avait quelque chose d'anormal. Attends, tu n'es quand même pas en train de dire que ce sont les colliers qui les contrôlent? Exactement. Par Merlin, je ne crois pas que le dragon qu'on a libéré portait un collier. Mais nous devrions vérifier et lui ramener son œuf par la même occasion. Ah mais il est trop chaud. On va trouver les dragons. Finissons ce que nous avons commencé. Je vais m'y mettre, dès maintenant. Il y a autre chose dont je voulais te parler. Je ne voulais pas insister avant. On dirait que j'ai aggravé tes problèmes avec Victor Rockwood. Pourquoi s'en prend-il à toi? Allez, moi je te fais confiance. Confiance, Poppy. Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Fig avait un port au loin qui nous a transporté là-bas après l'attaque. C'est une longue histoire, mais Fig m'a demandé de ne pas en parler. Oh, je vois. Cela explique un peu mieux ce que nous avons vu près de la tente. Ne t'inquiète pas, je garderai ton secret précieusement. Alors je n'insiste pas. D'ailleurs, je devrais probablement y aller. J'aimerais retrouver ce dragon le plus vite possible. Gros cœur sur Poppy. Je te préviendrai quand j'en saurai plus sur son emplacement. Poppy, c'est ma crush.
Alfred. C'est ma crush en tant qu'élève. Il semble qu'il ait été cambriolé. Kat. Mais Poppy, elle me suit pas. On n'a pas dragon, elle est. Je vous répète, mais je ne vous remercierai jamais assez d'avoir aidé à sauver le village de ces trolls. Ok, c'était tout. Ok, merci Poppy. Prochaine quête. Entre mère et fille. Salle de divination, on retourne à Poudlard. C'est pas ça que je voulais faire, c'est ici. Ah si, sa mère nous a cramé, oui, en plus elle est prof de divination. T'imagines, t'es un élève et ta mère est prof de divination. Imagine juste tu vis, ta mère est prof de divination. Elle doit tellement tout savoir. Ça me fait descendre. La salle de divination est pas. Ah, c'est la salle sans demande. Je me demandais ce qu'il y avait. Alors. Revelio. C'est les gigas à l'autre bout. Ah, il y a des coffres là. Yeah. Allô, Mora. Tant qu'on explore Poudlard, on explore jusqu'au bout maintenant qu'on a tout débloqué. Non, je voulais pas caresser le chat. Bon, ça va. J'accepte. Chien noir en plus. Alors, coffre. Allô, Mora. Cap. Cher professeur Chat, je vous remercie de vos récentes remarques au sujet des anomalies célestes. Elles auraient tout à fait leur place dans un atlas que j'espère publier. Je ne manquerai pas de vous contacter si je décide d'inclure nos recherches sur certains des autres travaux dans les manuscrits. Revelio. Le professeur Chat plutôt mignon. Continuons. Rien du tout. Mais attends, parce que là je suis complètement à l'opposé d'où je dois aller ou comment ça se passe? Ouais, complètement en fait. Complètement. Et sa voix, elle me dit quelque chose aussi. J'ai de bonnes nouvelles au sujet de la localisation de notre ami des Hébrides et de son tu sais quoi. Retrouve-moi dans le centre-ville de Préolard. Yeah. Tu voulais me parler, maman? J'espérais te parler en tête à tête, Natsai. Ton message mentionnait ton inquiétude concernant une créature étrange aperçue dans la forêt dans les environs de Préolard. Ça aurait pu être n'importe quoi. Tu sais très bien ce que c'était, Natsai. J'ai le droit de quitter le château. Je fais toujours attention, maman. Tu fais attention? Ce n'est pas ce que dit l'officier Singer. Elle m'a envoyé un hibou pour me dire que tu rassemblais des preuves contre des mages noirs. Sois heureuse. Elle m'a reproché de ne pas te surveiller de plus près. Et elle a raison. Je t'interdis d'aller après au lard à partir de maintenant. Mais, maman... Ma petite gazelle, tes intentions sont louables. Mais ne te mêle pas aux affaires de gens dangereux. Si quelqu'un était intervenu au Matabeleland, papa serait encore en vie.
Je dois Est-ce que ça existe, le Matabeleland? Peut-être que l'élève avec qui tu es ami pourra te faire entendre raison. C'est si frustrant. Mata. Elle ne m'écoute jamais. Les. Elle t'a appelé cette petite gazelle. Eh oui, ça existe vraiment. C'est un terme affectueux qu'on emploie chez vous? Il n'y a que moi qu'elle appelle comme ça. Je suis la créature étrange de Préolar dont elle a parlé. La métamorphose personnelle n'est pas enseignée à Poudlard, alors on m'a recommandé de ne pas la pratiquer. Mais je suis une animagus, et c'est sous la forme de gazelle que j'ai pu parcourir librement les Highlands jusqu'ici. Aux grandes dames de ma mère, c'est grâce à cela que j'ai pu espionner Rockwood et Harlow. C'est incroyable. Tu es né en étant un animagus, ou tu as appris à le devenir? Les animagi ne naissent pas ainsi. Le procédé est assez complexe. Il implique de garder une feuille de mandragore dans la bouche pendant un mois. Il faut ensuite placer la feuille dans une fiole en cristal afin qu'elle absorbe la lumière lunaire et ajouter un de ses cheveux. Et ce n'est que le début. La métamorphose personnelle est courante chez les élèves de Ouagadou, mais le professeur Weasley estime que c'est trop dangereux pour être enseigné à Poudlard. Ok. Est-ce qu'on peut choisir la forme que prendra notre animagus? Oh non. L'animagus d'une personne est déterminé par sa personnalité. Ma mère est convaincue que je prends la forme d'une gazelle parce que je m'adapte à toute situation. Moi, je pensais qu'on pouvait choisir, moi. Je peux sentir le danger et garder les idées claires. Je comprends mieux maintenant. C'est extraordinaire de posséder une telle aptitude. N'est-ce pas? J'adore me transformer, mais ma mère ne partage pas mon enthousiasme. Elle affirme c'est vraiment trop stylé en vrai. Surtout aussi rare qu'une gazelle ne devrait gambader dans les environs alors que le braconnage est si courant. Elle dit avoir vu un grand malheur s'abattre sur moi sous ma forme de gazelle. Mais elle s'est bien trop souvent servie de sa double vue pour me contrôler. Je n'y crois plus. Ok. Ta mère a peut-être raison. C'était pour ta sécurité. Il vaudrait peut-être mieux que tu évites Préolar pour l'instant. Ce serait plus sûr. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse de la bonne solution. Toi, si. Tu aurais pu prendre la fuite dès que tu as appris que Rockwood, Harlow et Ranrock te cherchaient des noises. Mais tu en as décidé autrement. J'ai choisi de suivre ton exemple. Je dois affronter Rockwood et Harlow et non me cacher d'eux. Ma mère ne peut pas savoir où je suis en permanence. Ok, je te le déconseille. Cette conversation légèrement gênante. Pas de soucis. Quête finie? Non? Oui? Non? Voyager était ok, je pense à Bouranon. Réveillon. Il y a des choses que je vois pas aux alentours. Non. Du coup, quête. Chasse à l'œuf, parler à Poppy. On va repartir parler à Poppy. Et où est Poppy? Poppy le sang. Puis le crush. Carte du monde. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolar? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On va attendre Poppy. Ça ne lui ressemble pas d'oublier ça. Je ne t'ai pas fait attendre, si? Pas du tout. J'étais au bureau de poste. Ma grand-mère m'a dit que j'allais recevoir un colis, mais on dirait qu'elle a oublié de l'envoyer. Elle ne m'a pas envoyé de hibou non plus cette semaine. Elle est peut-être occupée par ses recherches. Je m'en fous un peu de ta grand-mère. Qu'as-tu appris? Moi, c'est le dragon que je veux. J'ai réalisé qu'elle ne savait pas que les braconniers avaient son œuf. En quittant le hall Magyar, elle a dû retourner immédiatement à son nid. Je suis retournée à la tente et j'ai suivi sa trajectoire. Bien, bien joué. Ça commence le... Ça, c'est un dragon longtemps après qu'il soit parti. Des arbres abîmés, des marques de brûlure, ce genre de choses. Ok, bien joué. Bravo. Tu sais ce que tu fais, ça se voit. Je n'en suis pas certaine, mais je pense avoir une idée d'où elle a pu aller. Je pensais qu'on pourrait aller voir par nous-mêmes. Bien sûr. Bien sûr, on y va. Si tu es d'accord. J'adore aller voir les dragons. Je voudrais voir comment va le dragon et s'il portait un collier. Et il s'en fait probablement pour son œuf.
Je pense qu'on la trouvera ici. C'est dans ce genre d'endroit que l'espèce a l'habitude de faire son nid. Ce doit être comme ça que les braconniers l'ont trouvé. Ils ont dû établir leur campement ici pour l'observer. Ils ont dû la capturer avant de voler son œuf. Les dragons sont difficiles à attraper, en particulier les mères. Tu as compris tout ça en restant planté là ? Crois-moi, c'est très facile de penser comme un braconnier. On pourrait aller voir si elle est rentrée. Il nous suffit de lui rapporter son œuf. Ça a l'air dangereux, mais en fait, facile. Une tâche facile. Ça devrait être rapide. Ensuite, on pourra en finir définitivement avec les braconniers. Allez, allons trouver ce dragon. Allons trouver ce dragon et lui rendre son œuf. Excellent. Si elle nous voit dans les airs, elle pourrait nous prendre pour des agresseurs ou de la nourriture. Il serait plus prudent de rester à pied. On va vite se mettre invisible, surtout. Essayons de ne pas la perturber. Elle a déjà assez souffert comme ça. Je suis prête à te suivre. Parfait. J'entends. La voilà, au-dessus. Elle est rentrée saine et sauve. Oh, c'est trop stylé. Contrairement aux autres dragons, elle ne portait pas de collier. Revelio. Il y a pas un coffre ou quoi? Ok. Le dragon. La pauvre. Elle doit être morte d'inquiétude à propos de son œuf. Ah, du sang. Beaucoup de sang. Ah, beaucoup de cadavres aussi. Beaucoup de cadavres. Continuons. Pour ce que ça vaut, elle semble pas faire attention à nous. Espérons que ça dure. Au moins, petit chat noir. Revelio. Alors, toi, mon ref. Je me demande combien il en a fallu pour la capturer. Petrificus totalus. Revelio. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un mort. Wattus Mitei, je croyais que tu devais nous rejoindre à Bornéo. Je suis au courant de l'espoir que tu nourris quant à l'arène de combat, mais c'est avec des acromantules qu'il y a des galions à se faire. Tu ne devineras jamais combien on a gagné. Violette et moi, il y a à peine quelques jours de cela. Et puis Bornéo, c'est loin d'être laid. Enfin bref, nous allons bientôt nous remettre en route. Pour l'Égypte, peut-être. C'est un tel soulagement de se sentir aussi libre. Ils correspondent apparemment. Charmant. À très bientôt. Revelio. Qu'est-ce qu'on a là? On a un pont à réparer. Ah, et ok. Réparons le seul sortilège que je n'ai pas mis. Réparons, la revoilà. Merveilleux. Elle est époustouflante. De loin. C'est vraiment trop bien qu'ils aient mis des dragons. Revelio. Est-ce qu'on a d'autres par ici? Il y a un, là au-dessus je vois un coffre. Je me demande jusqu'où elle peut voir. Je te demande pardon? J'imagine que les braconniers ne l'ont pas nourrie. Et de loin, il est fort probable que l'on ressemble à des moutons pour elle. Ces dragons raffolent des moutons. Ah, quel honneur. On est invisible. Pas à moi, Poppy. Hors groupe. Attention où tu marches. Hein? Ouais, un gros feu. Beaucoup de gros feu. Bon sang. Revelio. Tu devais mourir de faim pour s'en prendre à un grappe-corne. Ou ça la démangeait de se battre. C'est quoi un grappe-corne? C'est ça? Ah oui, je vois ce que c'est. Ok. C'est la créature qui est aussi dans les animaux fantastiques, ça, non? Qu'est-ce que c'était? On ne peut plus reculer maintenant.
Ouh, le son du jeu là est beaucoup trop fort. Ok. Il crache du feu. Rejoins-moi dès que tu pourras. Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon, on me réentend. Il y a un petit peu de crash, un petit peu de délai. Par ici, je vais où? Il était pas... Attention. C'est son territoire et elle va bien nous le faire comprendre. Si tu veux mon avis, c'est trop chaleureux. Ça m'étonnerait qu'elle entende raison. J'aurais bien essayé, mais c'est un peu tard. Revelio. Ah, j'en ai oublié un. Ah, c'est bon. Fantastique. Voilà le nid, on y est presque. Pourquoi tous les ponts sont bien barreaux? Maintenant, il suffit de lui rendre son œuf et on devrait pouvoir faire sans trop de problèmes. C'était génial. Et tu as vu son intelligence, elle ne nous a fait aucun mal. Les créatures ne sont pas bien plus intelligentes que le pensent la plupart des gens. C'est ce que grand-mère dit toujours. Le plus important, c'est qu'on ait survécu.
et qu'on ait rendu l'œuf à sa mère. Merci de m'avoir aidé. Je ne t'en voudrais pas si tu veux retourner au château et ne plus jamais entendre parler de dragon. J'espérais prendre un peu plus de temps pour examiner les lieux, si ça ne te dérange pas. J'imagine qu'on peut faire une petite pause. Revelio. Je suis prête à te suivre. Ça c'est quoi? Ouais, des œufs de serpent cendre. Ah, ici, il y a un coffre raté. Revelio. Le reste par ici, qu'est-ce qu'on a? Là, j'ai été chercher les coffres. On est venu par ici. Là, je vois qu'il y a l'air d'y avoir de l'or que je n'avais pas vu. Ah non, c'est des œufs de serpent cendre. Revelio. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour des œufs. Je pense que c'est tout, hein. Je pense qu'il n'y avait rien d'autre d'important par ici. Si je regarde la carte, il n'y a pas de carte. Et tout le reste, on était bon, je pense. Bon, vas-y. Poppy, on peut y aller. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Tu es encore sous le choc, c'est ça? Non. Nous pouvons partir si tu es prête. Très bien. Après avoir sauvé le dragon au Hall Magyar, il faudra s'attendre à être attaqué par des braconniers dès la sortie du château. C'est normal. Après tout, nous avons saboté leur arène de combat et pris un œuf de dragon. C'est vrai? Alors pourquoi ne se sont-ils pas vengés? Ce n'est pas leur genre de se laisser faire. À moins que... À moins que quoi? À moins qu'ils ne se soient pas laissés faire. Oh non, j'arrive pas à croire que je n'ai rien vu venir. Nous devons partir, je dois envoyer un hibou. Ah, ça c'est mamie qui va morfler, non? Vu qu'elle avait pas de nouvelles de sa mamie. Comment ai-je pu ne rien remarquer? Ce n'est pas parce qu'elles peuvent aller au chemin de traverse quand ça leur chante que les sorcières de la ville vont mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Moi, on avance dans la quête principale. Et il y a comme il faut. Putain de lutte. Revelio. Il veut lui. Satané baguette. Là, j'ai pas l'air de pouvoir y aller. Ah, peut-être que si j'ai. Confringo. Non. Levioso. Incendio. Bombarda. Il bombarda, Revelio. Non. Vraiment, non. Moi, je veux juste trouver un magasin, en fait. S'il vous plaît. Ok, parfait. Vous êtes de retour? C'est un plaisir de vous revoir. Albiwix, rien à me vendre, mais moi, bien. Bien. Merci de votre visite, j'espère vous revoir. Alors, pas l'air d'y avoir de quête secondaire ici. Quête. 21, 22, est-ce que j'ai une quête niveau 20? Oui, j'ai ça. Aller dans la forêt interdite de Préolar. Trouver des bulbobules. Faire du monde. Des bulbobules.
bobule par ici. Et quel est l'endroit le plus court pour y aller, hein? Est-ce que c'est là? En route pour de nouvelles aventures? Revelio. Alors. Ah mais on est à côté d'un truc de... Je vais aller finir ce camp-là. Il n'y a rien à braquer. Revelio. À part éventuellement des araignées, mais ça n'en vaut pas la peine. Les pattes sont trop fragiles. Le rêve... Petrificus Totalus. Elle m'a entendu, elle. Revelio. Désolé, Marius. Petrificus Totalus. Ah, lui est complètement aveugle. Je te vois. Tu me vois pas. Je vais te donner une bonne leçon. Je t'ai remercié pour le ragoût de lapin. C'était fameux. Ma mère n'aurait pas fait mieux. T'as est-ce qu'il est de dos ou est-ce qu'il est de face? Ah non, il est de dos. On devrait te mettre derrière les fourneaux. Le. Impero. Je suis à ton service. Ah, s'il est à mon service, je peux pas le tuer. Enfin, il peut pas m'attaquer plutôt. Cassius, Divindo, Dolores. Arrêtez d'avoir fait ça. Divis, je vois que tu ne portes Rebellion. Pas le home que tu nous as volé. Désolé pour tout ça, monsieur. Mais je deviens un mage noir. Revelio. Liaison. Ok, là, Yakov. On peut pas déjà un peu changer la tenue en vrai. Parce que ici, c'est une meilleure. Ouais. Tentez. Hein. Ok. Ça, c'est la cape et tenue. On va bien voir s'il n'y a pas un truc un peu plus sombre. Mais parce que ça, ça fait magie noire, mais ça fait trop... Tenue de mage noire. Ça fait trop dark. J'aimerais bien un truc qui soit un peu plus sombre, mais genre... Ça, ça pue... Ça, ça pue. Ça, c'est quoi? Cape d'Hérodienne. On s'en fout un peu aussi. Ça, c'est la cape de Serpentard. Je vais essayer de trouver quelque chose. Des tons un peu plus sombres. Peut-être ça. Des forces de l'ordre. Et ça, c'est un peu plus stylé déjà. En dessous, qu'est-ce qu'on va mettre? Tenue de voyou. On va changer un peu de style. Hein. Écharpe. Pas sûr que j'ai envie d'une écharpe. Écharpe de mage noir. On va mettre des écharpes. Accessoires de visage. Non plus. Ça, masque légendaire. Non, j'ai pas envie de ça. Qu'est-ce qui pourrait être stylé mais pour rien en vrai, hein, à part des lunettes. Pour les mains. Ouais, là on est bien sur celle-là. Et un chapeau, il n'y a pas un chapeau un peu plus classe aussi? Il n'y a pas l'air. Bon, on va toujours se déplacer comme ça. Il y a juste ça dont je suis pas sûr.
Ouais, on va partir là-dessus. Comme ça, on change un peu. Par contre, talent maintenant, magie noire. À d'ennemis sous votre contrôle à Campero, maudit d'autres cibles à chaque lancer réussi. Ça, c'est intéressant, ouais. Ça, je vais le prendre. Et continuons. J'évite de passer à Arundel. Je n'aime pas tellement le Petrificus Totalus. Ça on en entend plus parler. Un bras connu de moins dans le monde des sorciers. Par ici, où est-ce que je dois passer? Ah, oh, il y avait un pont tout simple. Enfin, je prends vraiment les pires décisions. Hein. Roll un dé, je fais 0. Chacune de mes décisions. Revelio. Là, il y a quoi? Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Mon pote, je te sens pas. Je ne me souviens plus si j'ai installé mes pièges à Campolar en haut ou à Campolar en bas. En plus, ouais. Giga débile. Revelio. Ici, qu'est-ce qu'on a du coup? Coffre. Et ça, c'est quoi? Parce qu'on y viendra plus tard. En attendant, continuons. Là, c'est l'endroit que Sakarissa a indiqué. Mais où sont les bubobulbes? C'est un gros trou, ça. On est connu des trous, mais des comme ça. C'est bien ma chance. Troll. Je dois tomber dedans. Parce qu'il y a petit chemin d'accès tout mignon. Ça me fume d'avoir tes réponses en dissocié. Ok. Revelio. Alors ici, petit troll des forêts. Ah bah mon pote. Pour battre pour battre il faut quoi. Il faut ça Flipendo pour quand il m'attaque. Pour le reste. C'est juste à me faire marave. J'adore l'idée. Déjà, mon petit pote. On va te faire souffrir comme jamais. En plus, hop. Yeah. Hop, prends-toi ça. Ah mais ça va, je lui fais super mal. Il me lâche. Flipendo. La terre. Hop, hop. Protego. Stupéfix. Non. Ok, donc j'ai pris. Non, pas ce que je voulais faire. Et hop, paf. Merci pour le troll. Je suis assez rassuré. Je sais me battre contre des trolls. C'est ça le bubobule? Oh, quelle puanteur. C'est parce que je vois pas tes messages tout de suite, mais il faut que j'ouvre mon téléphone. Je suppose que ton ordi est trop là pour que tu parles sur le chat. Yeah, des bubobules. Je crois qu'il y aurait bien un petit jeu à dire avec le bubobule. Revelio. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, c'était l'entrée.
Il y avait du bubobule pas l'entrée. Et ça sonnait. C'est du bubobule. Il y en avait bien à l'entrée. Oh, j'entends un ogre sur le côté. Libérez-moi de ces ogres. Alors. Ah mais oui, mais faites-moi rentrer dans des chemins avec des colonnes vertébrales et des côtes de trucs géants. J'adore ça. J'adore l'odeur de la mort. Réveillio. Trouver des bulbes 3 sur 5. Alors. Ici, qu'est-ce qu'on a? Du coup, il y a l'air d'avoir bien quelque chose, mais je ne vois pas. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc privé que j'ai pas? Mais là, il y a l'air d'avoir un trône. Mais c'est ça, en fait, non? Attends. Ah non, là, c'est d'où je viens. J'avais une entrée. Deux entrées. Où sont les bubobulbes? Là au-dessus, il y a l'air d'en avoir un. Ah, et peut-être là aussi. Revelio. Oh, j'ai si peur. Ok. Ça devrait suffire. Je vais retourner voir Sakarissa. Attends, pourquoi Protego? Tu devrais peut-être abandonner. Ah, mais parce qu'il vient de m'attaquer en fait. Je crois que je suis dans la merde. Ah mais y'a des gens là au-dessus qui m'attaquent? Non? Qu'est-ce qui se passe? Ouah, petit troll des forêts, ça bref. Ah trop fort l'Impero par contre. Pas sûr que j'ai envie de l'attaquer ici au milieu de la forêt. Vraiment pas sûr. Je m'en jure qu'il y avait quelque chose. Flipendo. Pourquoi? Incendio. On te l'aurait ici. Tu ne vas pas être plus mort. Lassius. Ensuite, à l'échauffement, réducteur. Confringo. C'est toi qui as interféré dans nos... Incendio. Confringo. Qui fait Confringo sur toi? Presque. Réducteur. Garde tes maladies. Qu'est-ce que ça fait? Mais fous-moi la paix. Mais j'ai juré, toi, j'ai dû fumer. Voilà. Pas. Ça peut rien faire du tout non plus. Bombarda. Merci. Revelio. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dernier de mort ici. Ok. Le troll des forêts là. En vrai, je crois que j'ai un poids de défi en plus si je le bats. Impero. Antoloris. Lassius, Ifindo. Pam 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 pam. S'amuse bien avec mon ami le troll des forêts. Viens là mon ref. Hop.
Attaque-les. Ouf. Meurs. Animagus Lou. Oh, j'en ai pas conçu des. Donc l'ange vient de Nora Treadwell. Agneau retourne. Toi tu vas déjà manger tes grands morts. Quoi? Tu ne pourras pas t'échapper avec tes. Classus, Tifindo. Protego, Flipendo. Ouais, toi t'es mort aussi. Par ici, qu'est-ce qu'on a? Il est où mon troll de... Ah, il est là. Protego. Impero. Montoloris. Classus. Tifindo. Parfait. Ici, qu'est-ce que j'ai oublié? Revelio. Oh, il y a un petit truc à libérer. Je m'en foutrais pas un petit peu. Oh, des araignées encore. Ah, mais il y a plein de coffres. Ah, mais il y a mon troll aussi qui continue sa vie. Il faut que je le tue. Viens là, l'ami. Ah, mais non, mais vas-y, bat-toi pour moi en fait. Impero. Ok. Troll mort. Et ici on est bon. Il sort par-ci par-là. T'arrêtes plus avec tes sortilèges abandonnables, tu vas tellement devenir le méchant de l'histoire. Mais non, absolument pas. C'est je les utilise pour faire le bien. Pour sauver la population. Mais comment dire? C'est louable ce que je fais. Source TKT. Mais je deviens pas méchant, c'est. Cet endroit. J'ai pris. Confringo. J'ai pris aucune mauvaise décision pour le moment. Aucune décision purement méchante. Incendio. À part brûler des araignées, mais ça. Confringo. Non, laisse-moi partir. Laissez-moi vivre. Les araignées, elles méritent de mourir. Hein. Confringo. Paf. Là-dessus, on est bon. Revelio. Hop, les petits coffres pour Bibi. Là où je vois un autre petit coffre. Ça, il faudrait que je le libère aussi. Moi, je suis tellement gentil que je vais le faire. Utilise la magie noire pour sauver les animaux fantastiques. C'est louable. Oh, vie de la boursouf tout moche. Avance. Sors. Ça va te faire sortir moi-même ou... Wingardium Leviosa. Ok, bon, il veut pas sortir. Revelio. Ouais, magie noire, il y a un tabou sur la magie noire parce que. C'est soi-disant impardonnable, mais c'est bon. Il faut qu'on ouvre un peu son esprit sur la magie noire. Alors, elle est là au bout. Bien utilisée avec un bon chemin de pensée, la magie noire fait le taf. Moi j'en ai marre que tu ouvres ta gueule chaque fois que je viens en cheminette. Je vois pas tes messages. En vrai ce serait bien que tu parles. Pour le chat, comme ça je vois d'un petit coup de tête là, mon téléphone il est loin. Loin.
Qu'est-ce qu'on a? On a une petite épreuve de Merlus. Ici. Vas-y, on va faire l'épreuve de Merlus. On ira rendre la quête. Est-ce possible? Une épreuve de Merlin? Il y en a 150 d'épreuves de Merlin, tu es toujours... Est-ce possible? Je suis un peu gris, oui. Je dois casser ces trucs là. Non? Ah non, je dois mettre feu à ça. Bombarda! Confringo! Ok, donc il doit y en avoir d'autres. J'en ai trouvé deux. Peut-être y avoir un troisième. Donc un, deux. Ah. Le troisième est là au bout. Confringo! Ok. Donc peut-être que je dois les mettre là au-dessus. Ok. Comment est-ce que je vais là au-dessus maintenant? Je vais emballer en fait. Il y a un ici. Paf. Paf. Et si je continue par là, il y a le troisième. Ces épreuves de Merlin ne me résisteront pas. Nickel. On va aller rendre la quête maintenant. Alors. Je voulais tester un truc. Levioso. Non. Levioso. Oh. Elle est où? Je l'ai entendu bêler en dessous. Ah bah oui, elle court. Ça va. Elle se porte bien. Est-ce que du coup... Levioso. Wingardium Leviosa. Je peux la Wingardium? Ah oui. Repulso. Est-ce que je peux la... Non. Levioso. Levioso. Repulso. Ah non, ça le fait moins. Je m'attendais à faire un... Ah, c'est quoi je m'attendais en fait. Catapulte de mouton. Revelio. Un petit peu déçu du coup. C'est pas grave. Continuons l'aventure. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, un coffre. Préolard, me voilà. Un coffre que je n'avais jamais vu en plus. Ah mais c'est un coffre avec un œil. Donc... Invisible. Ah mais j'ai déjà ouvert. Ah nul. Allez, je veux sauter, je veux sauter. Je veux sauter. Je veux sauter. Je veux sauter. Sakarissa, j'ai trouvé les bulles dont tu avais besoin. Superbe. J'espère que ce n'était pas trop difficile. Je peux les voir? Bien sûr. Bien sûr. C'était vraiment un plaisir. Merci. Tiens, ton paiement. Je vais pouvoir perfectionner mes potions pour prêter secours à nos pauvres camarades boutonneux. Ah mais elle, j'aurais dû la faire payer à la femme. Fait, nos camarades boutonneux et moi te devons vraiment une fière chandelle. Un jour, le monde des sorciers connaîtra mon nom. Et tu auras participé à mon succès. Venue de récolte de Bubobulp. Ok, donc ça c'est fait. Suivant. Quête. 22, 21, parler à Poppy. J'ai continué la quête avec Poppy. Le crush Poppy m'intéresse. Garde du monde. Oh mais elle est super loin. Ah non, elle est là. Limite, je vais mettre mon téléphone pas verrouillé là, comme ça si jamais tu parles, je le vois aussi. Par contre, à tout moment, je sens que tu vas faire vibrer mon téléphone, et qu'en le faisant vibrer, il va se casser la gueule. Et c'est un risque que je suis conscient de prendre. Alors, ici, Popis. Oh, tu n'as rien. Revelio. Qu'est-ce qu'il y a dans les alentours? Rien.
Te voilà. Tu n'avais pas l'air bien quand tu es parti. Les braconniers s'en sont pris à ma grand-mère. Quelqu'un m'a reconnue dans le hall Magyar et ils sont allés chez elle. Comment ça? Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien, heureusement. Mais ils étaient chez elle, chez nous. Ils pensaient que l'œuf s'y trouverait. Ils ont complètement retourné sa maison à sa recherche, en criant qu'ils avaient tout perdu à cause de nous. Je suis vraiment désolé. Papy. Je suis soulagé qu'elle aille bien. Personne n'aurait pu prévoir une chose pareille. Bah si. J'aurais dû m'en douter. J'ai sous-estimé les braconniers. Et maintenant, une autre créature est en danger. Qu'est-ce que tu veux dire? Les braconniers n'ont pas voulu repartir les mains vides. Alors ils ont pris de précieux journaux découverts par ma grand-mère pendant ses recherches sur les créatures rares. L'un d'entre eux contenait des théories concernant un endroit où seraient cachés des vivets, considérés depuis longtemps comme éteints. Oh. J'imagine, bon, allons-y. Que tu ne vas pas, on va pas perdre de temps. S'en prendre aux vivets. Ma grand-mère ne veut pas que je m'en mêle. Mais je sais qu'elle a très peur que les braconniers s'en prennent aux vivets, s'ils existent encore. Nous les avons pris par surprise quand nous avons sauvé le dragon. Mais les braconniers nous surveillent de près désormais. Nous avons besoin d'alliés qui détestent les braconniers autant que nous et qui aiment les créatures autant que... Par la barbe de Merlin, tu es un génie! Les centaures, ils voudront que les vivets soient protégés à tout prix. Allons parler aux centaures. Ils ont l'air très agréables en plus. Nous devons réfléchir à comment les approcher. Il y a beaucoup de tension entre eux et les sorciers. Je pense quand même qu'ils sont notre seul espoir. Laisse-moi y réfléchir. Ok, Popis. Je te préviendrai dès que j'aurai mis au point. Et terminé. Ok. On avance. Alors, 22, 21, 25, 30. On va faire la 21. On va aller parler à Ahmet. C'est où Ahmet? Mais je vais aller aussi faire mes créatures magiques un peu. On rigole, mais... J'ai une reproduction à faire. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On va prendre ça et ça. Il y a toujours le bébé Vaudelune. Bon, bref. Ah, il doit y avoir un bébé sombral aussi quelque part. Où est le bébé sombral? Ah, il est là. Tenez tout ça, je vous offre ceci et mon corps. Revelio. Hop. Amen. Interagir. Mais graille toi, vilain. Voilà. Ah mais toi t'es en train de... Oh c'est un bébé. Un bébé. Bébé tout blanc. Et toi? Ils sont mignons les bébés. Autant les gros sont moches. Celui-là, voilà. Alors, on a eu un bébé crapaud, un bébé sombral et un bébé Vaudelune. Ah, lui, j'ai oublié d'aller le rendre ici. C'est fait, on va aller vers la deuxième. Vers le deuxième vivarium. Venez, amis de l'océan. Popez devant moi. Hop.
Vas-y, le céleste. Oh, le flaireur juvénile. Le petit chat. Il a l'air d'avoir la flemme. J'adore. Le reste. Alors, toi, non. Licorne, on récupère. On récupère. Ça, on récupère. Non, c'est lui que tu veux récupérer. Foutez-moi la paix. Il y a des choses que j'ai oublié de ramasser. Le boursouf juvénile, il est où? Il est là. Hop. On a donc tout récupéré. Ah, il manque juste la licorne. Une licorne et la flaireur. Bien. Et le flaireur, ça doit être celui-là. Tiens. Donc on a eu le bébé flaireur ici. Maintenant on va faire un bébé licorne. Élever des créatures uniques. Défi réussi. Apparence, balle masquée légendaire. Ok, créature sauvée 2 sur 30. Donc je dois encore la capturer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a eu ça en plus. Ah, ici, bang des trolls. Ok. J'ai regardé sur Steam, voir si je suis. Je peux pas voir mes succès. Mes succès ne s'affiche pas. J'affiche mon profil. 19 sur 45. Ah, donc j'en ai réussi un autre que je n'ai pas vu. Est-ce que je sais voir tous mes succès? On est le combien? On est le 18. Apprendre tous les sortilèges. Ah, c'est ça que j'ai. Ok. Le succès. Ici, il y a des licornes qui vont naître. Alors. Ici, qu'est-ce qu'on a? Réparo. Non, c'était pas Réparo que je voulais faire. Jericho, Nifleur, Jericho, Nifleur juvénile, Barbie, Nifleur. Ok. Le Barbie juvénile. Cipher. Reviens là, mon ref. Hop. Même manger. Je vous nourrirai après. Sauf si vous n'avez pas envie de vous nourrir. Par contre, ne pas se mettre tous au même endroit, je serais ravi. Comme mon petit pote, il mange. Si. Et ça c'est bon. Ça on peut récupérer. Toi, on récupère. Est-ce qu'on a tout eu? Ça on a eu, ça on a eu. H, ah non, Joe Barbie. Donc le petit Joe Barbie et le petit Jericho ont attendu pour de la bouffe. De la bouffe. J'adore l'exploitation animale. Alors, Fossifère, on n'a pas encore de bébé Fossifère.
Voilà, tout devrait être fait. Ici, tout est bon. Alors, identifions les équipements. Ok. Celui-là est moins fort. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Voir l'amélioration. Je peux pas. Je peux pas où ça bug ? Allô ? Interagir. Donc ça, je peux. Ah, parce que je faisais... Oh, ok. Débile l'enfant. Ah, offensif 30, de 18 à 36 le niveau 3. C'est énorme. Niveau 27, 28, 27, 29. 29. 8. 24, 89. 36. 36. Ah non, c'est la défense que ça augmente. Ah, pas ouf. Bon... Ah, j'ai une plume de... Comment j'ai eu une plume de phénix? Je sais pas. Je vais attendre un peu. Top. Feuille de mauve douce, ça c'est bon. Ici, les choux. Les choux sont bons. Bon, les potions... Je vois bien qu'elles doivent être créées. Ok, tout est bon. Maintenant, Hamid, où il est ? Hamid, Hamid. Tour d'astronomie, donc ouais, on doit monter par ici. Revelio. J'ai déjà tout trouvé par ici. Faudra qu'à un moment je finisse Poudlard. D'explorer Poudlard. Mais je vais peut-être faire ça après la quête principale à mon avis. Une fois qu'il me restera vraiment plus que ça. Là de toute manière on avance bien, on fait tout ce qu'on a bonjour. À faire. Bonjour Amit. Je crois me souvenir que tu parles le Gobel Babil, non ? Si, effectivement, c'est bien le cas. Est-ce en rapport avec le gobelin avec lequel tu étais à Préolard ? Oui, il s'appelle Lodgok. Ton aide pourrait bien nous être utile. Il m'attend près d'une mine de gobelins. Tu accepterais de m'aider ? Et comment ? Ce serait formidable ! Enfin, ce n'est pas dangereux au moins. Je crois qu'il veut simplement me montrer quelque chose avec du Gobel Babil. Si ça peut te rassurer, c'est un ami de Sirona. D'accord, d'accord. Si Sirona lui fait confiance, alors moi aussi. Alors, hop, en repos la mine. On y va ? Bien sûr. Je veux juste vérifier la prononciation de quelques mots-clés d'abord. Et ensuite, je te rejoins là-bas. Il a l'air de mytho. Et mytho ? Il y a des petits sortilèges impardonnables qui vont partir. Hein. Je préviens juste comme ça. On fait ce qu'il en veut. Mais non, ah, oh, j'ai pris. Alors, Gobel Babil. On va déjà aller là au bout. Et on va y aller par ici. C'est ça que je voulais faire. Voyager ouvre l'esprit, c'est bien. Nous on doit aller là au bout. Oh là, il y a un gros méchant. Non, mais le gros méchant a l'air d'être à... Bah oui. Pas peur. Troll de Bourbier. Déjà, toi. Voilà. Protego, stupéfix. Oui, il y a des forgeux tourbeux là. Ok.
comment est-ce qu'on va s'y prendre? Ça et ça, déjà ici. Levioso, difendo. Ok. Ok. Je suis en train de me faire poutrer là, je le sens. Je vois. Vas-y, toi, donne-moi un coup de langue que je t'exécute. Non. Levioso, difendo. Ok, donc lui on n'en entend plus parler. Par sortilège à pardonner, vas-y, viens. Tiens. Flipendo. Protego. Lassus, Difindo. Viela. Lassus, Difindo. Antoloris. Souffre, l'ami. Protego. Lassus, Difindo. Lance-moi ton caillou. Ouais, prends tout. Lassus, Difindo. Merci. En vrai, ils sont chauds en mode quand même. Toi, tu veux quoi? Vas-y, viens. Qu'est-ce que tu me veux? Tu me veux quoi? Levioso, Difindo. Avec ces monstres là d'ailleurs on peut, dès qu'ils veulent me donner un coup de langue, tu peux les violer par la langue et leur couper la langue, mais c'est les one shot aussi. C'est sympa. Alors, petit coffre légendaire. Il y a des combos de sorts comme ça en fait, je pense un peu avec tous les monstres. Alors, ici il y a l'air de d'avoir ça. Difindo. Bombarda. Ouais. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Mais non, c'est pas dangereux. J'ai un diplôme pour ça, tricasse. Revelio. Ah mais ici je suis déjà venu. Non. Ouais. Ça me dit quelque chose cet endroit. Pas la moindre idée. Bombarda. Ici. Revelio. Oh, là par contre il y a des ballons. J'en suis. Péter tous les ballons. Sur 10, ok. Alors, on va aller chercher d'abord la cheminette. Revelio. Parfait, intéressant. Du coup, ici j'ai vu qu'il y avait un coffre. Ouais. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ce guide du sorcier est bien pratique. Ah, parfait. Ici. Je vais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. On va faire la petite épreuve de Merlin tant qu'on est à côté. Revelio.
À quoi elle donne accès? Alors. Tantôt, en volant, j'ai vu une balle. Qu'est-ce qu'elle était? Ok. Là en dessous, je vois quelque chose. C'est là où il faut ramener la balle. Il y a une balle là. Elle est là. Ah oui, elle a l'air de bien glisser. Peut-être l'attendre là en dessous. J'ai plus le sortilège de levure ça. Viens là. Non, c'est pas ça que je devais faire. Wingardium Leviosa. Je peux pas. Repulso. Ok. C'était pas si compliqué finalement, Merlin. Par contre, ça m'énerve les petites cinématiques à chaque fois pour le truc de Merlin. Si on pouvait les passer, ça serait clairement plus optimal, plus esthétique, plus. Rebellion. Mieux. Yeah, donc là-dessus, on est bon. Ici, qu'est-ce qu'on a? Rien d'intéressant. Ça, c'est pas grand-chose. Le coffre qu'on peut récupérer. Ça aussi. Il y a d'autres choses à voir. Pas ça, pas ça. Ça va être plus tard. Et on va commencer la quête. Bonjour Lockdock. Le Gobel Babil va nous retrouver. Avant qu'il arrive, vous pourriez peut-être me dire ce qu'on fait là. Bien sûr. Ranrock n'a malheureusement pas été aussi enthousiasmé par le home d'Urdkot que je l'aurais espéré. Il connaissait déjà tous les détails du pillage et était persuadé que j'avais reçu l'aide d'un sorcier ou d'une sorcière. Comment pensait-il que les gobelins récupéreraient le home? Je ne crois pas qu'il ait l'intention de se racheter. Je crains qu'il ne faille oublier toute notion de rationalité lorsque l'on traite avec Ranrock. Maudit soit Bragbor et ses fichus journaux. Bragbor? Un des ancêtres de Ranrock, métallurgiste de renom. Si nous devons coopérer, j'imagine que je devrais vous en dire plus. Il n'y a pas longtemps, Ranrock m'a envoyé récupérer un ensemble de journaux de Bragbor récemment découverts. Ils font mention de certains dépôts que Bragbor aurait été chargé de construire pour un groupe de sorcières et sorciers. Qu'est-ce que vous entendez par des dépôts? Ce sont de grands réceptacles fabriqués en métal gobelin et renforcés par la magie. Ranrock en a recruté d'autres pour m'aider à localiser les dépôts. Nous devions mener des recherches sur les 5 personnes dont les noms étaient mentionnés dans les journaux. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganac et Rockwood. Le château de Rockwood? C'est par là que nous commencerons. Pourquoi Ranrock s'intéresse-t-il de si près à ces dépôts? Il s'intéresse surtout à ce qu'ils contiennent. Pendant des siècles, les sorciers ont refusé de partager leur savoir magique avec les gobelins. D'ailleurs, vous ne nous laissez même pas porter des baguettes. Et donc, de nombreux gobelins, moi y compris, passent leur vie entière à se méfier de la race des sorciers. Ranrock est convaincu que les dépôts contiennent une sorte de pouvoir magique que les sorciers veulent garder pour eux. Il était, et est toujours, déterminé à s'en emparer pour les gobelins. Mais il... Voilà mon ami Amit. Nous devrions finir notre conversation plus tard. Bonjour, Lodgok. C'est un honneur, monsieur. Vous parlez le Gobel Babil? Oh, Bagaléo. Assez. Ne me dites pas que c'était censé être du Gobel Babil. Si, ma prononciation n'est peut-être pas parfaite. Je suppose. Un peu malaisant le bonhomme. Les dialectes. Ce n'est pas la prononciation le problème. Ça ne ressemblait à aucune langue connue. J'espère que vous lisez le Gobel Babil mieux que vous ne le parlez. Oui, monsieur Lodgok. Lodgok suffira. Heureusement, nous n'avons besoin que de quelqu'un qui puisse déchiffrer les plans écrits. Puisque je ne peux pas aller dans la mine. Quel plan écrit? Et pourquoi ne venez-vous pas?
Nous devons découvrir ce que Ranrok sait ou ce qu'il complote. Je suis sûr qu'un fidèle négligent a laissé des plans dans la mine. Et je ne peux pas me joindre à vous, car je ne peux pas risquer que quelqu'un signale ma présence à Ranrok. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas vous faire remarquer, que ce soit par l'œil au-dessus de la porte ou par un fidèle. Okay. Que doit-on savoir d'autre sur cette porte enchantée ? La porte ne s'ouvrira pas tant que l'œil peut vous voir. Vous et votre ami devez être invisibles pour passer. De ce que je sais de la magie des sorciers, ça ne devrait pas être trop difficile à réaliser. Nous sommes prêts. Allons-y. J'attendrai que Amit, mon ami. Amit, ami de Serdeg. À bientôt. Ah, c'est cette porte-là, cet œil-là. La porte nous regarde. Ok. L'œil de la mine. C'est beau, ça. Une étape pour examiner, là. Bien en dessous de la réalité. Une réveillon de gobelins. C'est encore plus incroyable que je l'aurais imaginé. Par contre, Amit, si tu la fermes pas, je te promets. Révélio. Alors, voyons voir. Je n'arrive pas à croire que j'ai rencontré un gobelin. Découvrons ce qu'on peut et partons. Regarde ce monde charge. C'est vraiment du beau travail pour un engin aussi simple. Beau travail ou pas, c'est le seul moyen d'avancer. Alors, il y a de l'or. Comment c'est ? Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autre. Je vois qu'il n'y a rien d'autre pour le moment. Utiliser. Oh, j'ai laissé Amit de le... Ah non, il est là. Révélio. Toujours pas à croire que nous sommes dans une vraie mine de gobelins. Amit, je vais te tuer. Ça ne me fait pas peur. Que nous avons là. J'avais entendu parler de ces mines, mais je ne pensais pas en voir une un jour. Action. J'ai activé. Révélio. Ah, oh. Ok. Intéressant. Continuons. Action. Nous devons faire très attention. Comme tu le sais, les gobelins ne sont pas tous aussi amicaux que Lodgok. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, beaucoup d'ennemis. Comment est-ce que je vais faire ? Ici, déjà, il me faut l'Imperio. On va faire ça. Qu'est-ce qu'on va mettre en plus ? On va peut-être ça. D'ailleurs, on va mettre ça là. Ça là. Là, il y a un quatrième sort, qu'est-ce qu'on met ? Bon, on va garder ça. Attention au bout des pieds. J'ai deux fois le même sortilège, c'est celui-là que je voulais mettre. Impero. Tu es là. Hein ? Alors, toi. Maintenant que t'es... Antonoris. Vassus. Findo. Révélio. Je suis vraiment habitué à ce genre de choses. Je nous ferai désolé, l'ami. On est surveillé. Par une porte. Action. Je suis plutôt doué pour répulsant. Tu verras. Nous ne pourrons pas passer tant que cet œil peut nous voir. Mais ouais, mais il y a que ça que.
Non, à mon avis. Action. Je devrais pouvoir tromper cet œil en utilisant le sortilège de désillusion. C'est pas ouvrir ça que je veux, moi je veux juste. Revelio. Faire fonctionner ça. Alors, comment est-ce que je pourrais faire ? Est-ce que si je monte là-dessus ? Action. Leviosa. Repulsa. Et si j'utilise ça ? Wingardium Leviosa. Non ? Action. Ce que je dois faire avec ça. Pour moi, la porte s'est ouverte. Je pense que ça ouvre en fait là qui va encore amener des coffres ou quoi que ce soit d'autre, mais. Expelliarmus, Repulso, Levioso. Action. Levioso. Defindo, Bombarda, Incendio. Flipendo. Glacius, Defindo. Flipendo. Action. J'arrive pas. Pourquoi je n'y arrive pas? Qu'est-ce qui a été mal fait? Peut-être qu'il y a un truc derrière en vrai. Revelio. Un gros coffre ici. Ah, à mon avis, c'est Bombarda. Ça. Incendio. Allumer ça. Et j'allume ça. Action. Je peux utiliser ça. Je peux utiliser ça. Ça va ouvrir la porte. Non. Ok, ça ouvre peut-être pas la porte. Et ça ouvre du coup. Revelio. Ouvre pas la porte, ça ouvre pas la porte. Ah. Si, ça ouvre la porte là-dessus. Il y a rien. Ça. C'est comme. Bombarda. On peut aller chercher le coffre. Alors ici. Revelio. On peut récupérer ça, coffre légendaire. Et objet pour main non identifié. Ok, donc on a tout dans cette pièce. Continuons. Le personnage de l'un des romans d'aventure que je lis pendant les vacances. Regarde aux alentours, Amit. Essayons de trouver des plans. Ça a l'air d'être appuyant. Il doit bien y avoir un schéma. Plan. Ils construisent quelque chose. Je n'arrive pas à déterminer de quoi il s'agit. Étrange. Il doit y avoir d'autres notes dans les parages. Pas l'air d'être le bon plan. Là-dessus. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? De l'argent. De l'argent. Ça aussi. On n'a plus rien. Ici. Des villas. Petrificus Totalus. C'est gentil à toi de passer. Impero. À ton service. Flipendo. Désolé pour les cris, hein, mais. Revelio. Ah, c'est bon. Je n'avais jamais vu de gobel babil rédigé par un gobelin. Les ornements sont extraordinaires. Surtout dis-moi si tu trouves d'autres plans ou schémas. On ne peut pas retourner voir Lodgok les mains vides. Bien. Mission continue. J'étais là au-dessus. J'ai fait le tour là au-dessus. Là c'est beaucoup plus loin. Ici on pouvait descendre. Alors. L'air de rien y avoir.
Si ma traduction est correcte, et je pense qu'elle l'est, ils construisent quelque chose de très grand. Revelio. Mais quoi ? Je finirai par découvrir ce qu'ils construisent ici. Alors ça, je peux pas. Ils sont beaucoup ici. Tu as commencé par fumer lui. Petrificus Totalus. Non, il n'y a personne. Ici au bout, ils vont tous dirigés vers là. J'ai entendu quelque chose, ça ne fait aucun doute. Quoi ? Qu'est-ce que c'était ? J'ai l'impression que je ne suis pas... Oh, c'est vraiment trop. Réveille, reste près de moi. J'ai déjà affronté bien pire. Une autre chaudière. Cet endroit est... un autre schéma. J'adore les petits moments comme ça où... La mine est trop petite pour cette chose. Où j'arrive à faire en full silencieux. Alors, on incendio ici, on axio ça. Qu'est-ce que ça va ouvrir ? Ça ouvre ici du coup. Ok, non, ça c'est juste passer. On a trouvé le chemin et la suite. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Porte fermée. C'est bon. Comment on passe de l'autre côté ? Par là. Bombarda. Discrétion, c'est pas grave. Revelio. Pas pour nous. Alors il y a deux. Il y a l'air d'y avoir deux coffres. Uniforme de préfet avec gilet. Question mise à jour pupille. Là-dessus, on est bon. Revelio. Est-ce que j'ai tout récupéré de cet endroit ? Là, il n'y a plus rien. Non, là, il y a encore des choses. C'est bien ici. Ça a l'air d'être bien ici. Ça. Et là, je peux pas y aller pour le moment. À mon avis, je dois y aller en faisant le tour. Revelio. Ici, dessus, on a fait. Et on peut passer par là maintenant. Alors. Alors, à vrai dire, on s'en fout un peu. On doit aller par la droite, donc on va à gauche. Nous devrons faire attention, cette plante peut être dangereuse. Oui, je le sais, je le sais, je le sais. On ferait mieux d'éviter de s'empêtrer Lumos. Là-dedans. Revelio, Lumos. Revelio. Il n'y a rien en fait, il y a juste... Lumos. Yeah, ici on va reprendre le sort de désillusion. Revelio. Oui, bien sûr. Alors, deux coffres. Plein de gobelins. Revelio. Alors, on va être plus serein. Petrificus Totalus. On commence par les archers. Lui, il est sur le côté, on peut s'en occuper aussi. Oh, je rêve d'un bon ragoût de porc aux champignons. Eux deux. Je peux sauter par ici. Non.
Là-dessus, il y en a, il regarde du bon côté. Et on peut aller l'anéantir. Oh mon ami. Action. Expelliarmus. Mais combien y en a-t-il? Je crois que c'était le dernier, Amit. Alors. Là tout est bon, là tout est bon. Là c'est l'œil. Revelio. Où est allumé déjà? Et je viens d'où? Est-ce que je viens d'ici? J'ai l'air de venir d'ici. Ah, quoique. Et donc je ne venais pas d'ici. Mais si on est bon. Action. C'est pas ça que je voulais faire. Malin. Je voulais juste ouvrir ça. Si j'ouvre ça. Revelio. Il doit y avoir ça de l'autre côté. Il y a ça. Expelliarmus, action. Ouvrir ça. Revelio. Et ça va ouvrir, je ne sais pas quoi. Ok, l'ascenseur. Qu'est-ce qu'on a? On a un coffre et le plan. Je n'aime pas ça. Ils construisent des foreuses géantes. Trop grandes pour cette mine. Sortons d'ici et racontons à Lodgok ce que nous avons découvert. Les foreuses, ok. À mon avis, c'est juste les foreuses pour récolter ce qu'on a déjà vu. J'ai besoin d'un moment pour reprendre mon souffle. Je ne m'attendais pas à ça. C'est une bonne chose que tu sois venu avec moi, Amit. Maintenant qu'on sait ce qu'il prépare, ici. On peut sortir d'ici. Sortons du coup. Bah, à mon avis, à la sortie de la mine, ça va être le bordel. Revelio. On va se faire attaquer de partout. Alors. Allô, Mora. Revelio. Il y a plein de coffres, dont le coffre de collection. Très flottant, ok. J'ai le plus peur à la sortie du jeu de ne pas avoir tous les objets de collection. La vocation, il y en a 140. C'est assez énorme. J'ai peur d'en rater. Marchand, j'ai tout eu, quête. Ça va se débloquer au fur et à mesure. Ici, qu'est-ce qu'on a eu comme nouvel ennemi? Ah ouais, le troll du bourbier. Ça s'en va à 8, c'est quoi? C'est le... Je vois. C'est pareil pour les tenues, j'ai peur de pas tout débloquer non plus. Bref, on verra. On n'est pas encore là. Défi juste que je sois des nouveautés ici. Avec des fonds en jeu, maintenant il m'en faut 20. Et je suis à 65%. Ok. Sortons. Sortie est là au-dessus. Revelio. Il y a l'air d'avoir d'autres choses que je ne vois pas. Hein. On y est presque, Amit. Regarde, le monde charge. Ah, ça fait plaisir à voir. Bien. Ici. Il va avoir besoin de l'Imperio. On va pouvoir sortir de la mine.
peux parler à Amit, il va y avoir plein d'ennemis. Parler de ce qui vient. Alors, ce n'était pas si terrible. Si, c'était vraiment horrible. J'ai eu ma dose d'aventure pour aujourd'hui. Pour toute ma vie même. Merci, Amit. Je n'aurais pas réussi sans toi. Maintenant, si ça ne te dérange pas, j'ai un mot à dire à Lodgok. Compris. Alors, je te laisse. Au revoir, Lodgok. Je ne vous oublierai pas de sitôt. Vos secrets sont en sécurité avec moi. Mais un jour, j'écrirai un livre sur cette aventure. Sans plus de cérémonie. Rébellion. Adieu. Mon ami. Ils construisent d'énormes foreuses. Nous avons trouvé leur plan. Ranrok doit chercher les dépôts. Je crains que vous n'ayez raison. Cependant, mis à part au château de Rockwood, je ne vois pas où ils pourraient chercher. Vous avez dit quelque chose d'intéressant avant que j'entre dans la mine. Oui. Si vous partagez le point de vue de Ranrok, pourquoi m'aidez-vous? Je pensais que le château de Rockwood serait désert quand je suis arrivé pour mes recherches. J'ai été surpris d'y trouver une sorcière qui avait installé une sorte de site de recherche improvisé. Elle étudiait quelque chose avec tant d'intérêt qu'elle m'a à peine remarqué. Quand elle a levé la tête, je pensais qu'elle serait effrayée ou hautaine. Mais elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Sans hésiter un instant, elle a souri et m'a demandé de m'asseoir près d'elle. Elle m'a dit qu'elle était chercheuse et m'a montré un petit réceptacle de forme étrange frappé d'un mystérieux symbole. Elle était certaine qu'il était en métal gobelin, mais elle n'a pas pu l'ouvrir. Elle voulait que nous travaillions ensemble. Myriam. Oui, mais comment avez-vous... Les pousses de figue. Il m'a parlé de ses recherches. Je sais pour le réceptacle. Ah. Elle parlait de l'intelligence et du talent des gobelins avec tant d'admiration. Je dois dire que je ne m'y attendais pas. Je n'avais jamais été traité avec tant de respect par une sorcière ou par un sorcier. Donc, je l'ai laissé étudier le réceptacle à condition qu'elle me permette de fouiller le château seul. Nous avons pris congé et elle m'a promis de me dire ce qu'elle découvrirait. D'autres recrues de Ranrok sont arrivées et nous avons creusé jusqu'à trouver le premier dépôt. Ranrok était ravi de notre découverte. Mais il s'est énervé au sujet de Myriam. Il m'en voulait d'avoir fait confiance à une sorcière. Quand j'ai entendu dire qu'elle avait été tuée... Vous pensez que Ranrok l'a tuée? Je ne veux pas y croire. Mais... je ne sais pas. Ensuite, quelque chose a changé. Nous on sait quand même. J'avais vu à quel point le pouvoir des dépôts transformait Ranrok. Les transformait tous. Je ne pouvais plus être mêlé à tout cela. Merci, Lodgok, de m'avoir dit ça. Hein? Si je vous raconte tout, c'est pour que vous compreniez les enjeux. Ranrok n'a pas trouvé tous les journaux de Bragbor. Mais ceux qu'il a trouvés suggèrent que Bragbor avait construit un dépôt bien plus grand que celui qui se trouve sous le château de Rockwood. Ce que vous avez découvert ici m'inquiète beaucoup. Si Ranrok apprend l'emplacement de ce dépôt, je crains que cela déclenche une grande guerre. Je découvrirai ce que c'est Ranrok. Attendez, mon hibou. Ok. Réveillio. Quête principale 6h14 du coup. Let's go. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Bombarda!
Ringo. Revelio. Confringo. Du coup, il doit y avoir un troisième. Revelio. J'ai encore raté. Il est. Bombarda. Revelio. Donc, un, deux. Voilà, derrière. Ok. Ok, let's go. Confringo. Revelio. Confringo. Merlin lui-même aurait de quoi être fier. 10 sur 14. On est bon là-dessus aussi. Qu'est-ce qu'on a aux alentours? Ah. Des endroits où je peux pas aller. Ok, ok. Là, je vois qu'il y a une page, on va aller la chercher. Revelio. Cabane abandonnée. Cette vieille cabane abandonnée servait de refuge et protégeait les sorcières et sorciers voyageurs des intempéries. Avec le temps, la nature a repris ses droits et les marines se sont réappropriées la cabane. Aujourd'hui, elle abrite un fangieux ou deux. Niveau 32. Je vais vite aller chercher ça aussi tant que j'y suis. J'ai pas encore faim. Qu'est-ce que vous mijotez? Revelio. Et allons-y. Ah, c'est vrai qu'il y a un dépôt de magie ancienne sur le chemin. Mais il y a un ennemi. Un gros ennemi. Quand on aura fini, je filerai à la tête de sanglier. Bon, on va faire ça. Revelio. Alors. Il n'y a toujours rien ni personne ici. Petrificus Totalus. Bien. Que me réserves-tu cette fois-ci? Plus je tue des gens, plus je gagne de galions. Et je ne m'en plains pas. Ah, il y a quelqu'un, je le sens. Non, 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 non. Ok, ok. Oula, veuve de Ficus Totalus. Éclaireur, serpent cendre. Du coup, ici, je l'ai déjà fini en fait. Je me demande qui vivait ici. De courir partout, reviens. Oh. J'ai réussi. J'ai vaincu un serpent cendre. Mais du coup, collection, il n'y avait pas d'ennemi, non. Il était mis qu'il y avait un ennemi légendaire. Ah, c'est peut-être là-dedans. Il y avait quoi là-dedans encore? Oui, mais je l'avais tué juste. Je pense que je l'avais eu, non? Il y a encore une autre.
me souviens que mon père me parlait de ces moments-là. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis déjà venu ici en fait. Petrificus Totalus. Il me semble que je suis déjà venu. J'irai peut-être après au lard un peu plus tard, histoire de me rappeler qui on est. Petrificus Totalus. Comment ça, vos équipements sont pleins? Ok, donc là je devrais récupérer deux de plus. Revelio. Ouais, non, ok, ici je suis déjà venu, c'est là où il y avait le. Petrificus Totalus. Personne n'en reviendra. Revelio. Mais du coup, il y a rien d'exceptionnel et je peux juste partir. Bon, un peu déçu, je m'attendais à mieux. Je pensais que c'était une autre ou. Je sais pas. Je sais pas à quoi je m'attendais. Revelio. J'ai vu que t'avais un truc que je n'avais pas ramassé là de l'autre côté. Hein. Ouais, c'est ça. Oh. J'ai lancé un chou sans faire exprès. Et on peut sortir. Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Alors, du coup, on va pouvoir faire ça. Une épreuve de Merlin? Qu'est-ce qu'on a aux alentours? On a ça. Que je dois. Confringo! Bombarda! Revelio! Ah non, ok. À mon avis, je dois aligner le. Levioso! Confringo! Bombarda! Levioso! Repulso! Ah, ok. Action. Non. Et si je fais ça là-dessus? Wingardium Leviosa. Comment je fais une rotation? Non, je peux pas. Et il y a une harpe. Là, il y a une harpe. Peut-être dans les options, il sera peut-être mis. Clavier, souris. Ah, pied, monture, sortilège, action. Carte, menu, roue des outils, dialogue. Wingardium Leviosa, c'est ça. Plus à gauche, plus à droite, AE. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Je sais pas. Wingardium Leviosa. Revelio. Wingardium Leviosa. Du tout ce que je dois faire, là y'a quoi? Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Revelio. Je dois casser les pierres?
Bah, ça se trouve, c'est un rapport avec les pierres aussi. Revelio. Maintenant. Wingardium Leviosa. Ça. Je ne sais pas ce que je dois faire. Revelio. Il a un grand vent. Alors, harpe. Une harpe au-dessus. Pas d'harpe au-dessus. Wingardium Leviosa. Peut-être que je dois soulever les trois en même temps. Protego, Wingardium Leviosa. Hein? Je sais pas ce que je dois faire avec tout ça. Repulso. Expelliarmus. Axio. Levioso. Axio. Repulso. Levioso. Repulso. Expelliarmus. Je ne sais pas ce que je dois faire. Du coup, on va faire ça. Revelio. Et un. Et les autres ont l'air d'être là au-dessus. Mon roi a été abandonné il y a longtemps, c'est certain. Alors, c'est trop. Ouais. Yeah, hop, ça. Ici et l'autre. Allez, descends, descends. Oui. Félicitations. Félicitations, gamin. Hop. Si seulement le professeur Fig avait vu ça. Un truc de magie en plus. Oh, un défi réussi. Incendio. Passer ici. Revelio. Je suppose que ici, dans défi. Oh oui, ça c'est bien. J'ai 4. Peut-être que je dois juste lancer des sorts. Action. Repulso. Expelliarmus. Repulso. Confringo. Bombarda. Incendio. Bombarda. Flipendo. Ok. On tient quelque chose. Flipendo. Ok. Donc là, les deux arcs qu'on a... Ouais, ok, j'ai capté. J'ai capté. Il faut que je mette les harpes les unes sur les autres. Où est l'harpe? Okay.
bon. Ouais. Et du coup ici, la harpe est là. La harpe est là. On va la monter. Elle est là au-dessus. Non. Là elle est là au-dessus. Maintenant je la fais venir ici. Et sauf qu'elle est pas encore du bon côté donc. On est bon. Voilà. C'est réglé. Oh elle était dure celle-là. Je pense que je vais bientôt arrêter les streams, 17h50, ça me paraît être une bonne heure pour arrêter. On va juste aller chercher ce qu'il nous faut ici au-dessus. Revelio. En route pour de nouvelles aventures. Ben, je crois qu'un peu plus loin il y a des trucs d'animaux fantastiques, je vais aller voir ce que c'est. Ah mais là il y a des ballons. Revelio. Quand... Alors, j'ai vu qu'il y avait un ennemi connu. Oui, c'est vrai, je l'avais pas fait cet ennemi connu là. Là en dessous, il y a juste le truc de magie, je vais aller chercher. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Revelio. Jumelles cassées. Des moldus ont laissé tomber ces jumelles cassées après avoir tenté de suivre ce qu'ils pensaient être une ours bizarre. Il s'agissait sûrement d'une demi-guise. Ils n'ont jamais compris comment quelque chose pouvait disparaître aussi vite. Nous reprendrons ce qui nous appartient. Là, il y a des gros méchants. Là, je peux pas le prendre parce que... Ouais, non, je vais aller vendre tout après Olar. Ah, mais non, il y a un marchand juste en dessous. Lassius. Tous ceux qui s'opposent à Ranrock seront éliminés. Impero. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Antoloris. Lassius. Defindo. Yeah. Ranrock vous a tous trompé et vous a mené à votre perte. Mais du coup, on va pouvoir vendre à madame ou monsieur? Madame. Regardons tout cela de plus madame. Près, voulez-vous? Ça, tes affaires, j'en ai un peu rien à faire. Par contre, j'ai beaucoup d'argent, ça, ça fait plaisir. Oh, ça non, ça je vais pas vendre. Ça je vais pas vendre non plus, ça oui. Yeah. C'est gentil à vous de passer. Alors, le coffre, on va le prendre. En dessous, je pense qu'il y avait des choses que je devais ramasser. Rébellion. Aussi. Voilà. Ah non, c'était une potion Wiganweld. Ah, mais là, il y a encore des ballons. Chaque fois, je suis distrait. Chaque fois, je veux arrêter et chaque fois, il y a un truc qui me dit arrête pas. Ballon.
6 sur 10. Revelio. Du coup, ici, il y a la marque. Un château. Il devait être très imposant. De magie ancienne. Ok. Ouais, si tout le truc est en extérieur. C'était pas si difficile. Ok. Magie ancienne récupérée à plus. Je voulais aller voir l'ennemi. C'était là l'ennemi connu. Tu vas regretter d'avoir mis les pieds ici. Revelio. Les sorciers se soumettront à nous une fois la guerre terminée. Elle griffe le matraqueur. Ok. Bah c'est bon, c'est battu. Revelio. Y'a autre chose à faire. Je pense pas. Hein. On l'avait déjà battu du coup, Belgruffe le vilain. Belgruffe le matraqueur. Ah non, on l'avait pas fait. Ok, bah tant mieux. Il a été éliminé avec de la magie ancienne, c'est ce qu'il fallait. J'ai envie de sauter dedans et d'aller tous les fumer. Ce n'est pas le meilleur. Impero. Très bien. Expelliarmus. Action. Il n'a aucun. Il n'y aura pas d'autre défaite que celle de Feldcroft. On doit respecter nos engagements. Tu t'en tireras pas comme ça. C'est l'élève de la tour. Action. Répulsion. Avec les gobelins. On est bon là, non? Revelio. On a l'air d'être bon. Ça, c'est pas gobelin par contre. Du coup, dans la région, bah ouais, on est bon, je pense. Là, c'était quoi finalement? Nick Fossifer. La paire de boursouf. Là, il y avait l'air d'y avoir un marchand, on l'a eu. Là, il y a encore de la magie ancienne. Est-ce que j'ai encore des défis liés à la magie ancienne? C'est quoi, c'est exploration? Ouais. Ouais, il m'en faut 12. Pour avoir encore une barre de plus. Non, je crois qu'on va s'arrêter là. Ou alors, juste avant de m'arrêter, je vais aller vite à Poudlard, dans ma salle sur demande, récolter les dernières infos. Enfin, infos, les derniers... Les derniers ingrédients. Par contre, ça m'étonne que j'ai pas. Qu'il y a un succès que je n'ai pas eu. Lié à. Comment est-ce que je peux voir ça? Afficher mon profil. Non, je suis toujours à 19. À 19 succès. C'est parce qu'il y a un succès où je dois. Faire quoi? Faire reproduire toutes les races de créatures. Mais il me semble que je l'ai fait. Maintenant, parce qu'il m'en manque deux races de créatures encore. Mais ici, j'ai un peu la flemme de tous les nourrir. Mais on a Vautelune juvénile, juvénile, juvénile. Donc on a les trois. On va voir en bas. Ici.
passifère juvénile. Ah oui, il est là. Lui, il est mignon. Donc, ici, non, c'est pas ça que je voulais faire. On a juvénile 2, 3, 1, 2, 3, 4. Et sur le dernier. Sur le dernier. Oh, on a une licorne juvénile. 1, 2, 3 et 4. J'ai envie de voir le bébé licorne. Il est là. Ok. Waouh. Ça va, bébou. Ok, bon, on a tout. Mais du coup. Qu'est-ce qui nous manque? Collection. Animaux fantastiques. Ah ouais, bah il manque le phénix qu'on doit faire à mon avis reproduire. Et le grabcorn. Mais est-ce qu'on peut les faire... Qu'est-ce que ça, on peut les faire reproduire? J'ai la moindre idée. Je vais identifier mes objets magiques légendaires. Ok, j'ai de meilleurs gants. Qu'est-ce que je peux faire? 97, 89. C'est mieux celui-là. Et on va mettre quoi comme... juste des gants noirs, je trouve ça stylé. Ici, je pense que j'ai une meilleure aussi. Ouais, 80. On va déséquiper pour mettre... celle-là. Ouais. Et ici, rien d'important, rien d'important. Ok. Si tout ça n'est pas important... J'ai des sorts niveau 3 qui sont bien. Désarmement, brûlure, contrôle. Ça, ça peut être bien. Dégâts infligés avec un lancement de magie ancienne. Petrificus. Ça, c'est pour jouer full silence. Expelliarmus, Defender. Ah, avec Ordoloris. Ah, vas-y. Vous devriez vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup de potions. Je la passe niveau 3 celle-là. Allez, plume de phénix, on en a qu'une. C'est pas grave, on va l'utiliser. Et autre chose que j'ai, c'était ça. Ok, là-dessus on est bon. Et je vais juste afficher les attributs où on va mettre le... On va mettre celui-là. Voilà. On va récupérer les plantes. Et une fois que tout sera récupéré, je couperai le live. Okay, les potions, on peut refaire une du coup. Enfin, bah restons ici. Les mettre de l'autre côté. Yep. Et c'est ici que je vais couper le live du coup. Donc je vous dis ciao à tous et à la prochaine.